Caca! S'il te plaît. Mais je t'attends. Bah non, tu m'attends pas. Pardon. Arrête! Je suis déjà pas sereine. Non, la pauvre. Je me suis mordu la langue. Oh! Ah. Y a pas de calamar. Bah laisse-moi vérifier. Boogie boogie baba! Ah, mais oui, c'est ça quand je suis à hey, c'est ça, je vous laisse, je vais récupérer ma voiture et je vais chercher mon. Des bisous, Loli, maintenant, c'est déjà parti. Eh! Omae wa mou shinde iru. Nani? Aïe! Ah! Oui. Eh, mais le chieur, il m'a mordu le. Oula! Alors en Belgique c'est Cook, Cook suisse. Attendez, j'ai un doute mais il me semble que c'est Cook suisse. Oui c'est ça, c'est une Cook suisse. Non pas couille de suisse, couille Cook suisse. Quack. Je vais le faire parce que sinon on aura plus de. Ça c'est pourquoi. Je valide. C'est ça, pas mon jour hein. Ça c'était équilibre, je valide l'équilibre. Les yeux bandés maintenant. Et oui mais attends, sirop. Je ramasse. Je suis dégoûtée. Comment ils volent? Mais oui mais c'est ça que je veux. Mais c'est ça, mais c'est ça que je veux. Pourquoi vous me le donnez pas depuis le tout? Delta Station. This is the place Lil mentioned in her message. Give me your money. Ok. César, The prophecy is true. Non, non, c'est jamais 30 minutes pour étendre le linge. Bah non, c'est toi qui as envie de chier tout le temps. Bah toi tu me fais chier là. POUM POUM POUM. Oh, bienvenue dans le Hard Corner. Pas tout de suite. Mais j'ai peur. On s'en fout. Mais non, on s'en fout pas. Oh la vache, mes oreilles. Il y a le Léviathan. Oui, oui, oui. Ah, mon Dieu. Ah bah oui, il n'y arrive pas. Elle m'a explosé les tympans. C'est le cri le plus long qu'elle ait fait. Irikrim. Ah oui, non, tu tombes pas. Hein. Si tu tombes, t'es morte. Parce que moi, je descends pas. Hein. Ah pardon. Putain, j'ai eu tellement peur. Pardon. Give me your money. Tu vas oublier le chemin. Non, je vais pas oublier. Je t'ai dit, on va tout droit. Et au final, aller tout droit, tu c'était une bonne idée. Non, vous verrez, je vais pas oublier.
Quack. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi t'as peur? Qu'est-ce qu'il a fait? Il vient de me hurler dans les oreilles. Oh! Spoiler, jamais il démarre à 14h. Si, si, à 14h on démarre. Dans tous les cas, 14h on démarre. Ok? Comment il vole? S'il vous plaît, je sais pas chanter en même temps de jouer. Non! Oh, bienvenue dans le Hard Corner! Le truc de gaz. Ah merde! Caca! J'espère que tu te rappelles le chemin. Et boogie boogie baba! Coucou Loli, comment tu vas? Jamel, il est en train de faire la vaisselle. Je ne vois pas, mais je porte un robe. Ah, je peux voir, moi? Oh, ça va bien, toi? J'ai hâte d'être en vacances. Mais ça va bien. Traduction, demain! Ouais, demain ça va faire du bien. Et ce que j'ai mis comme hypothèse, tu veux qu'on se retrouve en local pour que je t'aide pour le jeu? T'es dispo là ou pas? Et ce que j'ai suggéré à Gamel, c'est de faire une pause la semaine prochaine pour pas stream, juste une semaine pour déconnecter, comme de toute façon on va en Belgique de lundi à jeudi. Un peu pour jouer à WoW aussi. Oui, c'est vrai. Et comme ça, on fait. De base, je me suis dit, bah vas-y, c'est pas grave, on fera les lives jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Mais là, j'avoue que faire une semaine juste déconnexion totale de bah, des streams, du train-train quotidien, je pense que ça va faire vraiment beaucoup de bien. Et lui, il est partant. Donc la semaine prochaine, on fera pas de live. On reprendra normalement le lundi, hein, mais la semaine prochaine, on fera pas de live. D'ailleurs, il faudra que les horaires de live changent. Vu que mon boulot, bah, mes horaires de repos, mes jours de repos vont changer. Ouais, c'est ça. Et à la limite, on pourra déjà adapter dès la semaine. Pas la semaine prochaine, celle d'après. Oui, on pourra faire ça. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, je suis dispo. Courage, merci. C'est une bonne idée. Oui, ça va être quand tes jours de repos? Ça va être le mercredi et le dimanche. Là, pour l'instant, c'est le lundi, c'est le dimanche lundi et à partir du 12 août, ça va être le mercredi dimanche. Et en vrai, moi, ça me déplaît pas parce que pas trop possible. Voilà. C'est ça, c'est 2 jours boulot, puis 3 jours repos. Sachant qu'en plus de ça, souvent les jours fériés, etc., ça tombe les lundis. Ouais, ça t'arrange. C'est ça, ça m'arrange. Ça tombe le lundi ou le mercredi. Ça ouais, c'est nul. Je t'aime, mais c'est nul. Donc là, en vrai, c'est pas plus mal. Ça me va, moi, le mercredi et dimanche. Et en plus, ça coupe la semaine en deux. Alors, ok, j'aurai pas de week-end vraiment consécutif, mais ça coupe la semaine en deux, et ça fait du bien aussi de pouvoir se dire, bah, c'est bon, je me repose. Enfin, juste pouvoir faire des trucs en semaine. Et quand on aura déménagé, j'aurai
qu'une demi-heure de trajet maximum, donc ça ira en vrai. Là, déjà là, pour l'instant, comme on n'a pas grand-chose à faire, on prend notre temps, et demain ça va être full ménage, parce qu'on va finir les trucs qu'il faut finir, vraiment. Et mais on a le temps, en fait on a vraiment le temps, on n'a pas des masses de trucs à faire. Donc ça va juste être filmé ce qui doit être filmé. Les plaques sont nettoyées, donc ça c'est bon. Il y a vraiment plus grand chose à faire. Tout ce qui est congèle, c'est rangé. Tout est. Il n'y a plus aucune production à sortir à part la boutique du matin. Donc c'est vraiment repos là aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai commencé à me changer. J'avais fini de faire le ménage à moins quart, je crois. Et j'ai pris mon temps pour me changer. Puis je suis arrivée ici, il était 14h, quoi. Donc ça fait du bien, en vrai. Ça compense toutes les semaines où je suis partie à 13h30, 13h15. du coup, oui, c'est pas plus mal, ça ira. En vrai, ça ira, ça va faire du bien. Mais là, ouais, la semaine. D'ailleurs, il faut qu'on regarde pour les termes s'il y a des disponibilités. Les termes. C'est dispo ou pas. Et Loli, il faudra qu'on s'arrange aussi pour Monsieur Chat. Mais sachant qu'on part, qu'on part le lundi, ça devrait aller. Le seul truc qui m'effraie un petit peu, c'est qu'apparemment, il va faire chaud. En tout cas, en Belgique, il va faire chaud. Je sais pas ici. Donc, possiblement, venir quand même le mardi. Non, ça va, on part 4 jours. Oui, ici aussi, il va faire très chaud. À quoi, c'est vrai? Oui, c'est vrai, on était partis de ça. Ouais, c'est pour ça que je suis en train d'hésiter. Est-ce que, comme il va faire très chaud, est-ce qu'il faudrait... Mais ça me fait chier que tu... passer si jamais tu dois passer tous les jours, quoi. Ou alors on va lui acheter, ils annoncent 32 mardi. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on a vu aussi. Donc est-ce qu'on ne lui achèterait pas plusieurs gamelles d'eau histoire qu'il en ait 3-4? Mais je sais qu'il boira jamais, en fait. Il boira pas si c'est pas frais. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on donnera... J'ai pas nat, donc ça ne me dérange pas. Ok. Après, ce serait juste venir... le mardi, mercredi. Et le jeudi, nous, on revient. Donc, vers midi, on... Vers midi, on sera... Midi, 13h, à l'EMAX, on sera à la maison. Oui, comme d'hab. Oui, c'est ça. Si tu peux venir 2 jours de suite, ce serait parfait, en vrai. Attends, pourquoi est-ce qu'on parle à l'écrit? On peut se mettre au vocal. Débile, aussi. Pas de soucis. Merci. Si, en vrai, de vrai, s'il faisait pas aussi chaud la semaine prochaine, j'aurais dit, tu viens le mercredi et tu viens juste une fois. Mais là, comme il va faire chaud, j'ai peur. Mettre dans le vocal. Hop là. Ah bah. Hello. Attends, je coupe le son. Hop. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va. Parce qu'en fait, on est en train de s'organiser via. Dis bonjour. Bonjour, Tata Anna. Coucou. Oui, Yonat. Bonjour, Tata Anna. Coucou. Il y a Gamel qui te dit bonjour aussi. Tu vas faire quoi comme stream? Ça va être un jeu avec ta maman et on va faire de la lecture d'énigmes. Et ça va être quoi? C'est explorer. C'est pas un jeu qui fait peur. Avec des grands èbres. Oui, si tu veux. C'est explorer le monde. Des araignées sont par terre? Non, il y aura pas d'araignées. Non, les araignées, il y en a plus. Non, ce jeu-là, il est terminé, ça en a un autre. Ah, d'accord. Allez, retourne dans la salle.
Bon, il risque de venir faire des petits coucous de temps en temps. Ouais, du coup, pour la semaine prochaine, attends, faut que je revérifie quand même que j'ai pas d'entretien. Après, si tu passes. J'en ai pour le mercredi, mais après, je passerai quand même. Hein, c'est oui, c'est problème. Ça. Tu les as quand le mercredi, tu sais ou pas? Bah, attends, je vais regarder ce que t'étais en train de faire. Alors, le lundi, bon, du coup, c'est le matin, donc ça, pas de problème. Mardi, j'ai rien. Et mercredi, c'est l'après-midi. Ah, bah, c'est bon, tu peux passer. J'en ai un à 14h et l'autre à 19h, donc. Bah, c'est parfait. J'ai le temps de passer le matin, ouais. Ouais, bah, en plus de ça, si le matin. Si je me lève, parce que ce moment. Voilà. Ah, ouais, mais non, tu dois te lever, tu dois mettre un réveil. Non, mais je mettrai un réveil, t'inquiète. Parce que de base. Surtout, ça va être, il va faire super chaud ce jour-là. Mais bah, t'as des glaçons dans ton congèle, parce qu'en fait, je peux lui mettre des glaçons dans sa gamelle, comme ça, elles resteront fraîches le plus longtemps possible. Ouais, mais ça changera rien, en même pas 5 minutes, là, l'eau le glace va fondre. Et si tu fermes les stores, etc., enfin, pas trop, mais... Bah, le store d'en haut, oui, le truc d'en haut, le store du Velux, non, on va le fermer, mais pas la fenêtre, enfin, on va ouvrir. Ah ouais, oh, mardi, là, ils disent 33 degrés maintenant. Donc, Bah, c'est voilà, pour ça, si dimanche tu peux... à mercredi, il va faire jusqu'à 30 degrés. Enfin, jusqu'à jeudi, il fait 27 même. Mais il va pleuvoir jeudi. Ouais. Bah, si tu peux venir, ouais, le mardi, mercredi, ce serait pas mal. Sachant que nous, on revient le jeudi. Ouais, vous partiez le lundi et vous revenez jeudi. Oui, quoi. C'est ça, on revient le jeudi. Le lundi, vous partiez à quelle heure? On s'est dit qu'on allait partir comme quand je vais au boulot, donc à 5 heures. Ah oui. Bah moi ça me changera rien en vrai. Je suis déjà habituée à me lever à 4 heures. Et gamin ça va, il gère. Mais là j'avoue que comme j'ai la clim dans la voiture, ça c'est beaucoup plus agréable de conduire. Ah bah tu m'étonnes. Je change de voiture, j'en ai marre de la mienne. Bah elle est pas parfaite. De toute façon elle me claquait dans les doigts ma voiture. Ouais, elle est pas parfaite, mais ça va. Pour l'instant, en tout cas, ça me permet d'attendre. T'as pris une voiture comme la mienne, hein. C'est une C3, hein, moi, la mienne. Ah, j'avais pas fait gaffe. Moi, c'est la deuxième que je galère à passer. T'as pris même la même que moi, juste pas la même couleur. Ouais, c'est ça. Soit c'est parce que c'est une essence, soit parce qu'il y a un petit problème. Dit, Non, moi, j'ai du mal aussi à passer les vitesses sur la mienne. Ah, t'as du mal à passer les vitesses? Ouais, il y a eu des moments où j'avais du mal, ouais. Ah, Loli, elle a du mal à passer les vitesses aussi sur sa C3. Donc, ce serait peut-être ça. Après, j'y arrive parfois, hein, mais là, pour l'instant, en fait, je passe de la première à la troisième. Je force un petit peu, ouais. Je passe direct à la troisième plutôt que la deuxième, parce que... Vas-y, à 4h du mat, j'ai pas envie de prendre la tête. Déjà que je me prends des déviations partout pour aller jusque Melun... j'ai pas envie en plus de me prendre la tête à apprivoiser la moi, la celle deuxième. Qui coince, c'est surtout c'est la deuxième et la troisième, des fois. Moi, c'est la deuxième. C'est plus, en fait, c'est plus dans quand je réduis les vitesses, tu sais, quand je... Ah, moi, quand je réduis les vitesses, il n'y a pas de problème, mais quand je veux passer de la première à la deuxième, parfois, j'y arrive sur un coup de chance, et parfois, je suis en mode, bon, bah, ça veut pas, et ça fait comme le bruit de quand tu mets... Quand tu relâches l'embrayage trop vite et que t'as pas bien appuyé, tu vois, ou que t'as pas... Non, mais c'est chelou. Voilà, c'est ça, c'est normal, chiant. Hein, ça fait ça. Bah, c'est juste que j'enclenche mal ou j'en sais rien. Donc, non, c'est pas normal quand même. Bah, j'avais ça sur ma Toyota, mais c'était quand je mettais mal... Enfin, quand j'enclenchais pas bien ma vitesse. Donc là, je sais pas si c'est moi. Je sais pas si c'est moi ou si c'est la voiture. Si c'est la voiture, elle est sous garantie pendant 3 mois. Donc si c'est ça, bah, je demande une réparation au garage, j'exige le prix de la réparation. Et si c'est moi, bah, c'est juste quoi. Mais ça, comme mon père a déjà conduit des Citroën et des essences, bah, je vais lui demander. Oui. Tant qu'à faire, je vais lui demander la semaine prochaine, oui, on le voit lundi. Parce que j'avoue que j'ai pas la foi d'aller au garage pour... Enfin, ça va être trop galère à caser une visite au garage. Je me dis que là, de base, j'avais dit lundi, bah, juste parce que mon père n'a pas sa dialyse, du coup, bah, c'est plus facile de le voir le lundi. Mais là, ouais. Sachant qu'il va faire 32 mardi, mercredi, bah non, on y va le lundi, en fait. Et encore, là, j'ai vu sur mon téléphone, les annonces en France, en tout cas, par chez moi,
Ils en ont jusqu'à 34 degrés, hein, 33-34. Hein, donc... Ouais. Ouais, bah non, c'est bon, on part lundi. Hein. Bah, on part le lundi. Que je regarde ce que j'ai un refroidisseur d'air là. Une sorte de clim, mais pas une vraie clim, tu vois. Faut que je le regarde et que je mette des trucs au congèle, etc. Pour, Ouais, c'est ça. Bah après, je mettrai un pain de glace dans le bac et puis voilà. Après, j'ai mis des bouteilles au frigo, comme ça, ouais. Moi. Bah, de ce que tu nous as dit, l'année dernière, ici, il faisait bon, alors qu'il faisait chaud dehors. Donc, je pense que ça ira. Chez vous, ouais. Chez vous, ouais, c'est vrai que comme vous avez des murs épais, ça conserve bien le frais. Ouais. Surtout si j'y vais le matin, j'ouvre un peu. Oui, c'est ça. Bon, après, faut voir, mais ça dépend à quelle heure j'irai. Mais au pire, j'irai assez tôt le matin. Ouais, je pense qu'il vaut mieux. Vraiment rafraîchir bien. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'on mettra des gamelles à César un petit peu partout, des gamelles d'eau. Une sur la table, une sur à côté de l'évier, parce qu'il se couche souvent sur la table. Et quand les animaux ont chaud, le mieux c'est de mettre l'eau à côté d'eux parce qu'ils vont pas se déplacer, ils ont trop chaud. Non, c'est juste qu'ils ont chaud, c'est tout, donc forcément. César, ça arrive avec. Charles, ça arrive aussi avec. Mais là, j'avoue que les vacances. J'attends parce qu'on se fait chier à la boulangerie, on n'a plus rien à sortir. Et tu es en vacances combien de temps là? Juste les premiers jours, après tu reprends ou... Non, j'ai 2 semaines de vacances. Et encore, août. En août, je vais m'emmerder parce que je serai toute seule, donc je vais faire de l'avance. Mais non, même pas toute l'avance est faite. Là, j'ai juste... Je vais me mettre sur les bûches. Commencer à faire les bûches de Noël. Ah! Donc ça va être les bûches. On a fait un groupe avec Lisa et Amélis. Si vous voulez que je vous ajoute. Vous l'avez fait en pleine nuit, du coup. Vous avez fait un groupe avec Wings, Lisa et Amélis? Ouais, sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Ouais. Attends, vous êtes trop pas. Où, le groupe? Ah là, la team, voilà. Elle s'appelle la team. C'est moi qui ai choisi. Hein, Ajouter des membres. Je vous ajoute tous les deux. Voilà. J'ai pas prévenu. J'ai coupé la musique. Parce qu'on avait parlé éventuellement de se voir le week-end du 3-4, mais je sais pas si ça va se faire. Week-end du 3-4. Ah, ce week-end. Oui, 3-4, ah non, le week-end prochain. Oui, vous serez revenu quoi. Donc, oui, on sera revenu. On en avait parlé, il n'y a rien de sûr encore. Tant que vous nous prévenez, mais si de toute façon, si jamais vous nous prévenez trop tard et que nous on a déjà prévu des trucs, on vous dit non. C'est tout. Oui, c'est pour ça que je commence à vous en parler, mais ça n'a pas été confirmé parce que Wings, il voulait peut-être aller voir. Non, il n'est pas fini, il n'a même pas commencé. Il voulait peut-être voir sa famille dans le sud de la France, donc du coup, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va y aller. Vous nous tenez au courant et à ce moment-là... Si tu veux, je te mets sur la télé, mon cœur, le stream. Il veut nous regarder jouer. Je reviens, je vais lui mettre... J'arrive. Ok. Moi, je vais démarrer le jeu quand même. Alors, mon cœur, ça va mieux ta bouche? Ta bouche comme tu t'étais coupée. Ah oui, ça a arrêté mieux. Ah c'est parfait alors. Oui. Je viens d'y... La langue, ça fait mal, tu vois. Arrête. Je viens d'y penser parce que j'ai un truc aussi à la bouche. Ah, tu t'es... Non, c'est juste comme mes dents sont trop... Ah, ça se passe au niveau de ta joue pendant un certain temps, et du coup, c'est vrai que ça fait mal. C'est comme si je m'étais incisé l'intérieur de la joue et que ça s'était... Oui, je sais pas. En fait, quand tu respires...
La peau de. C'est des fois. La langue. Ah oui, moi aussi, du coup, ça fait des petits. Du coup, ça fait des petites vagues sur la langue. Attends, regarde mes langues. Ouais, moi ça fait des petites vagues sur la langue. Moi c'est la marque des dents. En temps. Mais ouais. De temps en temps, c'est pas tout le temps. Moi c'est tout le temps parce que forcément. C'est pas pour déplaire à certains. Je rigole si le lien l'a mis le live à ce moment-là. Ma langue elle est belle, hein. Si Loli a mis le live sur la télé à ce moment-là, c'est très drôle. Ne regarde pas. Bah si, justement, c'est pour qu'il regarde. Par ma langue. Mais non. Je l'ai mis juste après la blague, donc je sais pas ce qui s'est passé. Je t'ai juste entendu dire. Non, c'est bien. C'est ah, si Loli elle a mis le live. Non, c'est bien. Si tu l'as pas entendu, c'est parfait. Mais par contre, faut faire gaffe hein, maintenant. Nati regarde. Oui, je sais. Oui. Alors, chante sauf Sénor. Ah, mais j'ai regarde, je commence, chouchou. Ouais, là, il capte le jeu. Je comprends pas. En fait, là, il capte automatiquement le jeu. Ah oui, vous aussi, vous avez des problèmes, là, pour lancer sur OBS, là. Ah, bah, tout à l'heure, ça m'a fait... Tout à l'heure, ça m'a fait un écran blanc quand j'ai mis OBS. Gamelle m'a dit, oh, c'est normal. C'est juste avec un mal de merde, c'est juste OBS. Oui, mais j'avais tout préparé, j'avais pas sauvegardé mes... Ah, il y a encore une mise à jour. Bah, j'espère que ça va fonctionner, c'est toi. Parce que là, j'ai voulu jouer à The Witcher après Outlast, là. Bah, ça a rebugué, en fait. J'arrivais pas à relancer. Ça m'a saoulé. Bon, on en est où, du coup? T'as changé de zone ou t'es toujours dans la même zone? Oui, je crois que j'avais changé de zone. Ah oui, c'est vrai, t'étais parti. On est arrivé dans une nouvelle zone. Du coup, on a un nouveau vocabulaire. Ah bah. J'ai juste trouvé super. 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment des... Oh, ça va, là, c'est facile. Là. Des chiffres. La langue des alchimistes. La langue des alchimistes, des scientifiques. Oh bah, mais ça va être facile, là. Après, le truc, c'est qu'il y a tout cela, j'ai pas vu. Et en gros, j'ai su que c'était ça parce qu'il y avait des étapes, regarde. Ça, c'est ton... Est-ce qu'on entend bien le jeu ou pas? Attends, je vais mettre le son, voir. Oui, oui, on entend le son. Il y avait un bruit pour la... Oui. Ah. Regarde, là, tu vois, il y a 1, 2, 3... Et du coup, j'ai deviné comme ça, j'ai pu... Attends, je vais refaire... là, quand j'ai quitté, on avait aussi un... On entend. Un tout petit peu quoi. Là c'est mieux. Ah là c'est bien. Bah là je vais prendre l'ascenseur. Il y a un bruit. Ouais là c'est bien. Là on entend bien ? Parfait. Ouais. Alors. Du coup, moi j'ai pas le son du jeu, hein, vu que. Sinon, je vais m'entendre entendre tout en double et moi aussi, ça va ouais, me perturber. C'est ça. Alors, ici, il y avait rien. Ah, c'était ici que j'étais arrivée. Et là, je me suis arrêtée là-dessus. On avait tout ça. Du coup, j'imagine que là, c'est le premier étage. Ouf. Donc, au sous-sol, il y a ça. Premier étage, il y a ça, ça. Je pense qu'on doit explorer un peu. Il y a des escaliers, ouais. Ascenseur, deuxième étage. Bah pour l'instant, on peut pas savoir. On va explore. Allez, ouais. Let's go. Va aller au premier étage pour l'instant. Oh, pardon, excusez-moi, je baille. Ah, il y a un truc là au-dessus. Oui, ah. Je joue avec Tata Lana. Mais je parle. Tu entends ma voix? Nathanaël. Là il y a un truc mais on peut pas activer. Oui. Là il y a un truc activé, il manque une pièce. Ouais, il faut une carte ou une connerie comme ça. Alors ça je pense que c'est pas bon signe. Oh là.
C'est juste que ça bloque le passage. Oh. Ok. Moi j'irai pas là-dedans. Ah, y'a pas le choix. Mais y'a une tête de mort. Ah oui, mais y'a pas le choix. Là c'est quoi? Ah, c'est les escaliers. C'est les escaliers, ça. Essayez, hein. Tu veux vraiment y aller? Bah oui. Ah, y a des gens au-dessus. Qu'est-ce que c'est? Un truc, attention, chute de rocher, non? Usine, c'est une usine. Je veux cliquer, moi, n'importe quoi. T'as une autre page ou pas du tout? Non, j'ai que ça pour l'instant. Ouais, Mélisse, comment tu vas? Ouais, Mélisse. On va avancer, hein. Ouais, écoute, moi ça va bien. Ah ouais, c'est serré. Ouah, wow, ça va être serré au pixel près. Ah ouais, non, c'est chaud. Vas-y, lance. Je vais attendre aussi. Ok, j'essaie d'analyser le truc. Ok, en fait, il faut que quand ça commence à apparaître ici, il faut que j'y aille. Ouais. Ouais, c'est genre quand ça commence vraiment ici, il faut que j'y aille. Ouais, ça va être serré là. Pff. Ok, c'est bon, j'y suis. Ah. Ouais, et toi et vous? Bah écoute, j'ai hâte d'être en vacances. Tranquille. Mais là, ça va. Je suis vraiment en mode chill pour le boulot, donc ça fait du bien. Mais en même temps, l'hyperactif que je suis a besoin de bouger et de bosser. Et là, je peux rien faire. Bon, genre ce matin, on avait du temps pour faire... pour finir tout le ménage. Et Maëline a vraiment voulu finir tout. Et je lui ai dit oui, mais si on fait tout aujourd'hui, on n'aura plus rien à faire demain. Donc on a pris notre temps, et même Noah, hein, je lui ai dit, prends ton temps, parce que sinon on va vraiment se faire chier. Alors. C'est bien mon cœur. Est-ce que ce serait pas marche, arrêt, c'est de... Ah, c'est possible. On dirait une machine à café, le bordel. Mais c'est pas ça. Hein. Ouvert, fermé. Oui, plutôt ouvert, fermé. Ça doit être ouvert, peut-être. Oui. Bah oui, vu que ça a ouvert. Attendez, il y a Nat qui me demande. Oui, j'ai entendu Nat. 2 secondes. Autre. De la flèche vers le bas. Très fermé. Attendez, je reviens. Oh, un dessin.
Ah. Merde, la tête de mort, c'est quoi? C'est ça? Oh, je suis trop forte! Merci! De l'or. Ah, peut-être que ce serait lingot alors, ce truc. Bon bah bravo hein, pour avoir Merci. Deviné. Nathanaël il a dit ça c'est mortel quand il a vu le crâne. Enfin, le squelette. Un triangle avec un rond et un point. Est-ce que ce serait genre salle au trésor? Or Peut-être. Bah essayer, ou de l'or, or. Tout simplement. Ah oui, comme ça, un lingot. En tout cas, j'ai ramassé un... Mais t'as d'autres pages ou t'as pas d'autres pages? Non, j'ai juste celle-là. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai. Mais c'est vrai qu'on dirait un coffre au trésor, le bordel. Nat! Tu cries pas, s'il te plaît. Bah si, par là, on va voir. Ah oui, mais non, là, c'est pour... Si je mets genre. Oui. Ah, tu joues là? Ah, vas-y, sans problème, sans moi. Il joue à quoi? Ah, wow. Ah! Ça y est, il s'y met. Ouais, il s'y met. Bah, parce que je lui ai dit que j'avais. En fait, on a regardé un animé qui nous donne envie d'y jouer. Mm-hmm. Que, bah, moi, forcément, avec Haru, etc., j'avais pas trop envie de jouer, toute seule en tout cas. Ouais. Du coup, là, je lui ai montré le jeu. Là, je lui ai juste montré. Et au final, il aime bien. Ça m'étonne pas. Que c'est... Ah bah c'est des cartes de pour passer je pense, c'est des cartes de validation. Tu crois? Bah oui. Je t'ai dit ça va dans la machine là, tu sais qu'on a vu des cartes de pointage là. Ah des cartes de pointage. Aïe. Je me suis fait mal, je sais pas quoi. Aïe. Ça c'est quoi? Ah et du coup. Tu vois, ça ressemble à ah ça. Ah, et du coup, je les garde, ok. Les cartes perforées, ouais. Tu vois, ça ouvre les passages. Or. Qu'est-ce que ça peut être? Ah, mais on est revenu ici. Ah, ça peut être fabrique d'or. Ah, c'est possible en vrai. Donc, le triangle avec l'œil. Cuisine à or. On peut mettre fabrique. Sale. Mais je sais que non, ça revient au tout début, mais chut. Ok, salle au trésor. Oui, salle et trésor. Sinon, là, comme ça fouillait dans les cailloux là. Ouais. Salle. Je me dis que c'est peut-être une fabrique à or. Donc on voit que là il y a un triangle, on va voir. Pesée. Je suis sûre que le triangle avec les deux points c'est la pesée. Wow, hein. De toute façon, j'ai accès partout du coup. Salle de pesée. Ah non, j'en avais que deux. Ah, va falloir en trouver d'autres du coup. Après, peut-être qu'il y en a. Oh. Bah, tant mieux, s'il y en a que deux. Il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit? Il y a eu un. Ah. Mais là, il y a encore un. Là encore, il y a un. Ah, c'est lui! Ah, il est coincé. Voilà, il te demande de l'aider, hein. Il est écrasé, le pauvre.
Bah oui, tu l'as libéré. Ce dont il avait besoin. Oh ! C'est là. Piston. Ça va être un outil de bricolage, ça. Genre une clé, enfin, tu sais, pas les clés, mais les couteaux suisses, là. En gros, il a dit dire aidez-moi. Je dois être aidez-moi ou coincé. Je suis coincé. Je suis coincé. Ou alors, on va mettre être au cas où, comme ça on saura. Et dans le pire des cas, on modifie, c'est pas grave. On va voir, hein, ça nous engage. On va être coincé. Ce soit ça, soit aidez-moi. Pouvez-vous m'aider? Là on est plus bas. Oh. Ah oui, mais si c'est pas l'endroit où on est arrivé. Ah non. Ah bah. Les guerriers ne... Du coup le premier c'est guerrier. Le premier ouais c'est guerrier. Donc l'espèce de croix là. Ouais. Ça c'est avec guerrier. Un bras, armé, ouais, c'est guerrier. Le corps mortel, il a dit Nat. Et à côté, c'est marqué quoi du coup? Les guerriers ne. Et sur les l'autre plantes. Planche. Plante. Ah, est-ce que ce serait pas pluriel? Ah. Le rond là. Ah oui. Ça pourrait être pluriel. Plusieurs guerriers. Ouais, c'est ça. Ça peut être la négation. Bah, pluriel. Pluriel. Plusieurs, tu es en train d'écrire. bah, du coup, négation. Tu étais. Ça. Et du coup, ça, ce serait plante. J'aurais dû mettre. Je suis sûre que c'est ne pas arracher les plantes ou une connerie comme ça. Ouais, c'est ça. Je vais faire un dessin. Ouais, j'étais sûre qu'il est. C'était sûr. Bon, bah c'est bon, on a. Voilà, c'était sûr. Je vais l'activer ce truc là, mais il est en train de chanter mon fils. Mon cœur, si jamais il nous manque des pages, tu pourras nous dire. Eh oui, il nous reste plus qu'un truc, hein. Vraiment, là, on est bien. Du coup, il faut revenir en arrière. T'avances bien. Mon objectif, c'est de le finir avant d'aller en Belgique. Ah. Bah du coup je pense faire le live de dimanche enfin. Là-dessus. Ah d'accord. Moi je sais pas à quelle heure Raph récupère Nat pour le dimanche mais en fonction. Sept langues. J'ai sept langues. Quand tu m'envoies un message. Ah ça se passe bien Mélisse. J'étais chez la psy quand tu m'envoies. Ah d'accord. Et ça se passe bien, Mélisse ?
toi, il y avait quoi dans la salle? Il y avait rien. Justement. Ça peut être juste un entrepôt, alors. Là, c'est cool. Ah, là, on peut descendre. Ah, il y a des gens au-dessus. Oh, hello. Ah, c'est pas... à mon avis, l'ascenseur, il doit être coincé ou un truc comme ça, puisqu'il y a quoi le... Ah oui, ça peut être ascenseur. Du coup, ils sont coincés, eux, en bas, quoi. Me jugez pas, hein. Je fais... Ouh là là. C'est pas avec un C, ascenseur? Ah non, c'est pas avec un C. L'ascenseur est coincé. Bah, j'ai un truc pour le... Ah non, c'est pas l'ascenseur. C'est moi, je pense, qui voulait. Ah. Bah, ascenseur. C'est pas coincé. Oui, j'y arrive très vite, il y en a partout, des araignées. C'est ça le problème. Des araignées? Oui, dans vos, dans vos... Ah oui. Bon, la le mot là, je suis sûre que c'est sale, mais par contre, reste. Ah, j'ai vraiment marqué. Attendez, j'ai marqué ascenseur. Ah non. Bah, on doit chercher d'autres. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'on se balade dans un endroit où on n'est pas censé être, mais jamais rien. Hein. C'est pas coincé, hein. Je pense que c'est je. Ouais, ça va être je, ouais, certainement. Non, mais. On a tous les mots, mais on n'a aucune signification. Par le moi, enfin par je, moi. Ouais. La barre avec deux T. Ah, là c'est la cantine. Ah oui. Ah bah c'est bon, on a un truc déjà. Le symbole là. C'est cantine. Ça. On peut mettre resto. Cantine, c'est bien aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Restaurant fermé. Restaurant ouvrir. Ah, 4 heures. Ah, il faut que j'attende jusqu'à 4 heures. Donc, en fait, à 4 heures, il faut que je revienne. Enfin, je vais attendre ici. Ouais. Que je descends deux heures, hein, t'as deux heures à visiter, non? Non, mais j'ai l'impression que ça passe vite quand même. Oui, ça passe vite, mais bon. Est-ce que ça défile quand je suis plus là? Bah oui. Regarde la. Ah oui, mais non, mais de toute façon, il est ouvert à 4 heures, donc après on pourra. J'ai toujours des objets avec moi. Pas oublié ça. Je sais pas à quoi ils me servent. Bah, tu vas trouver. Pas descendre. Continuez de fouiller. Il y a un escalier par là. Là, je suis allée ou pas? Je suis pas allée là. Oh, bibliothèque visible. Ah. Les livres. Ah, oui. Ce symbole là. Ça peut être livre. Livre ou bibliothèque. Série. En fait, c'est toute une cité, hein. Oui. Ah. Ah oui, c'est une bibliothèque, ça s'en fout. Oh. Ah, ils me disent comment le faire. Ah bah parfait. Donc il faut ouvrir ce truc là. Ensuite. Ça se transforme en lingot, à quoi? Ensuite, il faut mettre de l'or dedans. Et ensuite, il faut appuyer ça, puis appuyer sur le bouton. Normalement, je vais avoir le symbole avec moi, non? J'ai de l'or avec moi, non?
pardon. Là, j'ai un truc, bref. C'est quoi? Oh! J'aime bien ces réactions en avant-premier. Je suis sûr que c'est un couteau suisse, ça, un truc comme ça. Si je pouvais bouger. Un allume-feu? Ah oui. Un allume-feu? J'aurais pas pensé à ça, moi. Mais moi, je vois, truc, je vois un truc qui coupe la pâte. Oh, une bague. Or. Ah, c'est les étages. Ça me dit pas ce que c'est. Salut, Plotis. Notice. Comment ça va? Briquet. J'ai dit bonjour à quelqu'un qui est arrivé sur le chat, mon chéri. Ah oui, forcément, il voit pas si. Bah, tu dis bonjour. Nati dit bonjour. Alors, j'ai une idée. Ça, c'est des pièces. Je me demande si en fait, c'est pas la fabrication. Donc de base c'est de l'or, ensuite ça devient des pièces. Bah oui, je t'avais dit fabrication. Hein. Oui, mais c'est fabrique de l'or, ensuite les pièces. Et il manquerait les deux derniers. Parce bah que ça, là il y a... Et après ranger, enfin stockage. Il y a plein de pièces et plein de chemins où on peut monter, je crois. Regarde. On peut monter ou descendre. Ça, c'est grand. C'est très très grand. Je m'en fous, je fouille. Bah oui, il faut qu'on récupère un max de mots pour que tu puisses remplir le carnet. Ça, c'est le 3. Parce que là, t'as plein de mots, mais t'as pas de carnet. Passe. Ouais. Cantine? Bah non, on a déjà vu. Non, c'est une tasse. Oui, mais je réfléchis. Alors, tu le fonds, tu le moules et ça finit. Oui, mais eux, ils disent 2, 3. Le souci, c'est que c'est bien de trouver tout. Bah, il faut trouver les mots, enfin, les endroits où tu ouvres ton calepin, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, plus belle, là. Oui, sans monture, c'est très très long. Oh. Enfin, il est même pas écrit dans son calepin. Non, il écrit rien. Il écrit rien. J'ai quasi tous les mots, mais je n'ai rien. Par contre, français, ça doit être jeu. Hein, ouais, ouais, je pense que c'est jeu. D'ailleurs, je le modifie. Ah, c'est ça. Celui-là. Je pense que c'est ça, ouais, le jeu. Je, enfin moi, et ça par contre, ça doit être toi ou coincé. Toi peut-être. Ouais, peut-être. Ça c'est coincé. Peut-être, hein. Je suis pas sûre. Coincé ou aider peut-être. Aider. Je penserais plus. Oula, ouais. T'as marqué coin et coni. Ouais, bref. Oui. C'est un contenant pour toi. Tu t'aimerais faire quoi? Tu veux faire un stream aussi? Tu veux faire quoi alors? Le deuxième, ce serait. Il veut faire un stream avec ses jeux à lui, non mais. Le deuxième, on peut mettre fabrique, mais je ne sais pas. Ou banque. Let's go Nathan stream. Quand il sera plus grand, là, il a que 5 ans, hein, on va éviter. Fabrique ou banque parce que c'est des pièces. Ouais.
Du coup, ça. La troisième, on a vu des tasses, donc c'est quoi? Let's go, Nathan. Ah, c'est ça. Fondre. Bah, c'est un contenant pour faire fondre. Une fonderie, alors? Ah, ouais. On peut... Je suis pas sûre, hein, on va marquer tout. La sorte de balance en bas, là, ouais. Ouais. Et quatrième, par contre, j'en ai aucune idée, on l'a pas encore vu. Moi, je dirais stockage. Vu comment c'est rangé, étiqueté... Oh! Oh! Là, on peut avoir des infos. Par contre, vraiment en avant-première. Alors. Ah, non. Bah. Ça, c'est scientifique. C'est scientifique, ça, c'est ouais. Musicien. Donc, le et ça, ascenseur. C'est population au-dessus. Attends. Ascenseur, c'est scientifique. Alors, au-dessus, on n'a pas de symbole. Ça, ce serait musicien. C'est le dernier symbole. Ça. Tu penses à peuple, toi ? Ou un truc comme ça. Ah non, parce que c'est les deux. Ah non, ils auraient pas, ils auraient eu. On va mettre groupe pour savoir pour qu'on se rappelle qu'il y avait deux, mais je sais pas. Ah, il va faire un dessin. Bah voilà, c'est bon. Alors, oh. On livre déjà, on sait. Musicien, on sait. Ça, on sait. Enfin, on sait que c'est là, quoi. Scientifique, c'est là. Et il faudra revoir le là-bas. On voit les portes. Et... Ah oui, c'est possible. Non, c'est pluriel. Par contre, le premier mot, c'est lequel? C'est le triangle. Je le vois pas, le premier. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, chaton? Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Ça a été quoi, alors? Bonhomme de neige. Ah bon, t'es un bonhomme de neige? Vous l'entendez dire qu'elle est un bonhomme de neige? Un câlin? Mais je te propose juste un câlin, si tu veux pas, tu dis non. Ah bon, bah j'ai le droit à un câlin. Aïe. Symbole. T'es en train de fondre? Ah, c'est ça. Attends, je suis pas bien. Ah, j'ai trouvé! Ah, c'est une fée! Barbe, une fée. Alchimiste, frère. Ah, non, t'arrêtes là! Non, mais tu m'arraches pas le casque! Excusez-moi pour le cri. Eh ben, viens parler si tu veux, mais tu m'arraches pas le casque. Oh! Effet, ouvre la porte. Attends, scream bébé. Je vais faire un scream de Mario Kart. Si, après les scream. Mais si. Non, pas d'abord. Maman. Effet. Et Sam Legend. Ah, tu t'en sors? T'es pas... Il parle à qui, maman? Ah non, je parlais à Gamelle.
Ah oui, par la gamelle. Ah oui, il est à côté. Il y a pas ton gars, 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 gars. Il est en train de chansonner. Ouais. Il est en train. Non, non. Désolée mais... pour le cri, j'ai chatouillé. Allez, retourne là-bas. Non, c'est trop, en fait. Oui. Oh, il y a un chapeau dedans. Chapeau, c'est un chapeau de musicien, ça, non? Ça. Ah, non. Est-ce que ce serait pas le mot chapeau? Ça, au moins, je me rappelle que c'est le chapeau. Ou appartient que? Ouais. Appartient à? Appartient, ouais. Bah, au moins, on sait que c'est là. Ah, il est signé. L'autre symbole, c'est quoi? Ah, attends. Ah bah, ça écrit. Ah, mais c'est tout? Bah, en fait, j'ai marqué. Bon, c'est sûrement un indice pour plus tard, ça va être. Mm. Ça, c'est quoi, du coup? Ah, c'est le truc brut. Le produit brut. Ouais. Bah, du coup, c'est quoi? La pierre? Les cailloux. La mine. Ah oui, la mine. Lingot. Lingot. Putain. Lingot. Ah non. Ah, alors, ah mais... Ah, j'ai compris. Alors, attendez. Du coup... Ça c'était ça. Ça c'était ça. Ça c'était ça. Voilà. L'or, argent. Bah oui, on est stupide. Cuivre, carbone. Oh, on n'avait pas les bons mots. Bien joué. Merci. On n'avait pas les bons mots, mais. Mais t'as trouvé. Bien joué. Merci. Oula. Ah, j'ai trouvé un autre. Ah non, ça c'est le dernier langage. Non, non, non. J'ai loupé des trucs, moi. Pas. Je suis à la dernière langue. Non, non, je veux finir, moi. Merci. Non, non, j'ai pas fini. Là, il y a un escalier. Ah, c'est pour redescendre. Tu retournes à la cantine? Ouais, aussi. Et il faut qu'on résolve ça aussi. Argent, or ou cuivre. Il faut le mettre là-dedans, puis il faut abaisser et... Ok. Ou alors, il faut mettre les quatre. L'argent, non, faut alors, que tu mettes l'un ou l'autre et ça transforme en... soit en pièces, en machin, soit... Par contre, je me rappelle plus où c'était la cantine. Bah, descend. Ah, c'était descendre. Ah non, fait, non, faut que tu sortes. Ah. Après, on va redescendre. La porte, là, un peu plus ouais. Haut, là. Ouais. J'ai un du décalage, coup... hein, forcément. Ouais, ouais. Les livres. Et du coup, c'était... Ah, il y a aussi de la pièce là-bas. Bon, on va d'abord aller à la cantine. C'est ici la cantine? Un peu plus loin là-bas, ouais, je crois. Ah oui, c'est là, je crois. Je sais plus. Si, mais non, c'est pas là. Si, là derrière la porte. Ah oui. Bah là, c'est ouvert. Pourquoi ils attendent tout non. Devant? Bah regarde, c'est pas encore ouvert. Hein. Devant fermé. Oh. Ouais ça. Ah oui, c'est une barre. Peut-être ça veut dire pas ouvert. Et on avait déjà trouvé le pas, non? Ou alors c'est le truc on va attendre hein. Mmh. Parce que je veux bien mais. Tu vas attendre longtemps, hein. Bah oui, mais à chaque fois qu'on s'en va, c'est plus là.
Pourquoi je suis aveugle? Pourquoi? Pour moi, le truc, c'est la fourchette en haut. Pour moi, c'est midi. Demain? C'est les heures de repas, quoi. Ah, bah oui, c'est aux heures de repas. Après, ça a l'air de tourner vite. Hein, ouais, c'est ça. On va attendre un petit peu, parce que ce serait trop bête de ne pas la voir. Bah, du coup, ça doit être midi, j'imagine. Ah, bah du coup... 1, 3, 4, 10, 7, 9. Ce symbole-là, c'est 9. Le H, c'est 7. Je pose pas la question de la relation entre Paul. Ah, c'est ce que je suis en train de faire. Genre, maintenant. Mais là, je sais bien qu'il y a une relation entre tous ces symboles-là, mais pour l'instant, je l'ai pas. Ok, c'est bon, on va attendre un peu. Et j'ai toujours les deux trucs là, j'ai l'or, le cuivre, j'imagine, donc il manque encore un truc. Ça va bien bouger, mais vas-y, on va. Ah, mais quoi? Ça va bientôt s'ouvrir. Ça passe 5 autres symboles qui sont hyper verticales. 5 autres, attends. Ah non, mais tu parles des autres, les symboles avec les genres de C sont des sales. Oui, c'est ça. Les symboles avec les genres de C, ce sont les sales. Ça, je pensais que c'était pluriel, mais je me demande si c'est pas ouvert fermé. On va voir. Hein. Le restaurant qui ouvre à... Genre, t'as une horloge. Oui, si, ça j'avais vu. Ça, j'avais vu, quand même. Ça, par contre, ça pourrait être chariot ou quelque chose comme ça. Et du coup, celui qui nous est coincé. Allez. J'attends. Celui-là encore, il est assez facile, je trouve. Au début, quand tu débarques, c'est compliqué parce qu'il y a plein de nouveaux symboles. Mais en vrai, t'as quand même beaucoup, beaucoup d'aide. Allez, bientôt midi. Allez, c'est bientôt l'heure. On va rester sur rien. Même là, au boulot, quand je ne fais rien, j'écris, je recopie les recettes. Parce qu'elles sont... Quand j'ai demandé à Augustin, il m'a dit, bah ça fait 5 fois, elles sont égales. À la soupe. Allez. 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 Ah, voilà. Oula, il court. Hein. Attends, t'as l'image. Oh, qu'est-ce qu'il dit? Restaurant ouvert. Alors. Ah. Ah, bah là, je vais avoir du cuivre. Enfin, le troisième, l'argent. Bah oui, c'est ça. C'est le dernier. Donc j'ai les trois. Je pense qu'il faut mettre les trois, en fait.
Par contre, je sais pas, par... je sais plus par où c'était. Oh, c'est quoi ça? Oh! Ça, ça doit être fabriqué, non? T'as que des machines pour fabriquer des trucs. Ça. Qu'est-ce que... Arc, carbone. Ça, c'était pour peser, ça. On est bien d'accord, puisqu'il y a marqué sur les toits, là, c'est des nombres. Donc, voilà. C'est pour peser, ça. Ça va arriver sur des maths bientôt, là, ça va être perdu. Bonjour. Bonjour. Non ? Non ? Ah putain, je vais aller le transformer d'abord, peut-être. J'ai saisi le principe. Ah. Ouais. Si tu reviens à la bibliothèque. Il faut redescendre, je crois. Je sais plus où était la machine qui permettait de... oui, elle était au elle était en bas, hein. Oui, il fallait descendre, Je sais qu'on avait la machine, mais je sais plus où. Il faut que tu descendes. Et là, du coup, ça y est, à gauche. Moi, alchimiste, moi, français. À gauche. Ah si, on peut descendre encore en fait. Là il me manque des symboles, ouais il me manque. On se peut pas voir là. Si ? Si, descend là-bas, les escaliers. Faut que tu passes là derrière les... C'est la droite. Et... Soit tu descends, soit tu... Bas à droite. On va essayer par là. Ah, c'est pas ici. Alors ça doit être avant. Je oui, sais. C'était là qu'il y avait le mec bloqué. Ouais. Salut Wings. Oh, Wings. Oula. Non, c'était pas là. Vas-y, remonte. C'est d'être la salle avant. Ouais, c'est ce que... Par là, hein. Là, là, ouais. Ah, là. La... Non, non, la porte. Okay, là. Oui, j'ai vu. Mais j'ai un décalage, hein, forcément. Oui, non, mais je le dis pour. Ça, c'est avec les cartes. Attention qu'elle te fasse pas choisir le bonheur dans le jeu. Allez, un petit tacle au passage. Je viens de débarquer, il faut que je tacle. De ouf. Ah c'est là, ça y est. Je sais pas comment j'ai pu... Bon. Du coup. On va mettre l'argent. Ah non. Ah oui mais non, il faut mettre...
aussi. Bah, essaye de mettre le lingot aussi. Non, il faut mettre petit à petit. Il en rate pas une, celui-ci. Ça va ta journée de boulot, toi? Ouais, j'ai récupéré ma voix un peu. Elle est encore un peu cassée, mais j'ai récupéré ma voix. Ah, là je récupère. Ok. J'ai un pause café, me saoulez pas, je me repose là. Ok, oh là là, j'ai rien dit, oh là là. Je me suis fait envoyer dans mes 22 là. Faut pas le chercher hein. Dans tes 22, ouais. Je me suis fait envoyer bouler, si tu préfères. Je peux rien mettre d'autre. Ah bon? Bah je crois. Bah pourtant t'as bien transformé les couverts en argent là. Ah oui. Oui, il y a les autres. Eh, t'as peut-être ton outil machin là, c'était du ferraille ou du cuir. Alors, il en rate pas une celui-ci, je suis en pause café, me saoulez pas, je me repose. 22 la nain impassible parce que je réfléchis. Ouais mais je peux rien faire. Elle lit pas non plus. Si je peux rien faire. Bah je lis et tu réagis pas alors. Non, c'est parce que j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait. Mais et... t'as transformé là tes couverts là, tu les as transformés en lingots. Oui, mais du coup, il y a un truc que j'ai pas transformé en lingots. Elle lit pas le chat comme Antoine Daniel. Ouais. Non mais. À l'évidence. Non mais. Elle est concentrée sur le jeu. Faut pas lui en vouloir. Je peux rien en faire. Tiens, ça, tu peux pas le transformer, c'est pas du cuivre ça? Si, pour vas-y, moi. Vas-y, essaye si. De poser pour voir si ça se transforme ou pas. Bah, je peux plus rien poser. Tu peux plus rien poser du tout là? Là-haut? Elle lit pas le chat comme Antoine Daniel, déjà qu'elle le lit à l'envers. Alors, non. Je jure. Je ne le lis plus à l'envers. Ah bah! Évidemment. On a eu la même pensée. Même une émote pour ça, ouais, que tu as demandé. Hein. Oh là 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 là. Par descendre, on va voir. Ah mais non, si je descends. C'est l'une des plus utilisées, bah tu m'étonnes. Il y a aussi celle-ci, quand. Il y a le câlin qui est beaucoup. Ça c'est pour redescendre. Ouais, la plus utilisée, c'est le câlin. Vrai. Ça il faut que je vérifie. Si, moi j'utilise souvent. Le j'ai peur, il me fait trop marrer. J'ai peur. Je n'avais pas vu César, il s'est mis. C'est parce que vous êtes des bisounours. Exactement. Mais oui, nous sommes des bisounours. Pas de soucis. Désolé, mon fils a appuyé sa voiture valdinguée jusqu'à moi. Oui, il s'est couché à côté de moi comme au dernier stream. Bon. Si je regarde mon bouquin, ça dit quoi? C'est pour ça que vous faites marave par César et Yoda. Encore que Yoda, ça va, il est mignon avec Lisa. Il avait pas dessiné un truc? Non, le schéma, non. Alors, ça. Non, il n'a rien dessiné du tout. Tu vas avoir du mal à mettre les mots si tu veux même pas les dessiner, quoi. Non, il mord les cuisses et bouffe le micro. Ah, bon, j'ai pas tout suivi alors. Ah, mais ça c'est fermé. Je peux pas accéder au cuivre. Je vais réussir à ouvrir le cuivre. Ouais. Parce que j'ai l'or, j'ai l'argent. Ah, mais j'ai toujours le piston là à gauche. Donc en fait, faudrait que j'essaie de descendre. Parce qu'ici, je suis au premier. Et je peux pas descendre parce que c'est fermé. Ah oui. Je peux aller au deuxième. Les escaliers là. Non, les escaliers n'y vont pas. Et si je descends et que je vais jusqu'au truc du cuivre. Essayons, on va voir.
Parce que là, techniquement... C'est produit, oui, j'étais là, mais j'ai pas dû suivre à ce moment-là, tu sais. Trop de symboles, donc ouais, je sais êtes... c'est qu'elle plaît. Bah, c'est un peu le but du jeu, en fait. Araf par César et Yoda. Alors non, il mord les cuisses et bouffe. Il mord pas les cuisses. Non, on parle de Yoda qui mord les cuisses. Ah. Mais non, il parle c'est de César. Mord... Mais... Non, il a parlé de César. Qu'on... César, il te mord le bras. Mais les cuisses, c'est Yoda parce que Lisa, elle joue sur son lit. Ah. Du coup, voilà. Oui, bon, l'épaule, c'est pas... Est-ce le bras, excuse-moi, hein, ça fait partie du bras. Par là ? Ah bah t'es remontée, t'es redescendue dans l'autre. Ouais, ah non, là c'est... Et où est le Diablo, Diablo del Carlson ? Et puis il est en train de jouer à Euro. El Diablo del Carlson, el fuerte de Ziva ! Il a été contaminé par Euro. Car je pourrais avoir un mardi. El fuerte de Ziva. Il manque l'accès, du coup. Voilà. Je sais pas où il faut aller, parce qu'ils n'ont... En fait, j'ai... Qu'est-ce qu'il y a, chat ? Dans mes objets, j'ai un lingot d'or, une espèce de piston, un lingot d'argent. Mm-hmm. Et j'ai tous ces symboles-là. Je sais pas s'il manque des pages. Oui. Oh, pardon, t'as très bien dessiné, mon chat. Le cyber qui fouette. Non, tout. Mon chat ? Pourquoi est-ce qu'il dit... Ah bah oui, moi j'appelle mon fils mon chat, moi. C'est pas nouveau ? Bah non, c'est pas nouveau. Bah oui. Moi, ça me choque pas. Putain, tu veux pas dire mon chien, j'avoue. Ah, et des fois, j'appelle mon petit loup aussi. Hein. Alors pourquoi on dit mon chat et pas mon chien ? C'est inadmissible. Bah les chats sont un peu plus autonomes que les chiens. Oui. Mon petit chiot à la limite parce que c'est un bébé chien. Voilà. Ah, mon petit chaton. Des fois je l'appelle mon chaton aussi. Ah oh non, ça j'ai pas vu. Ah, les scientifiques. Ah bah y'a des panneaux. Ouais. Pas dessiné. Oula. Oh ouf. Bah okay. Là c'est vraiment les scientifiques. Oula. Bah là ta bibliothèque. Ouais mais j'ai déjà... Non t'as mis livre, t'as pas mis bibliothèque. J'ai pas bibliothèque. Mais on a dit que les sortes de C, c'est les télésalles. Ouais, c'est ça. Je regarde. La bibliothèque, ça peut être. Bon, on va regarder les symboles. Ça, déjà, pour les scientifiques. Ça, on sait que c'est la science. Ça, c'est la salle de science. Alors, lui, t'es payé pour animer le live à la place de la Nat. Il fait la voix gratos. Ça doit être ton destin. Ouais. Non, je suis pas payé, mais c'est pas grave. Ah si, elle pourra me faire des pâtisseries. Oh, d'ailleurs, je voulais faire des cookies, j'ai oublié. Ah bah bravo. C'est pas grave, j'en ferai après. Tout va, j'en ferai après. Ah, j'ai loupé un symbole. Je l'aide en fait pour le jeu. Oui, parce que elle est... Et en même temps, j'anime le stream parce qu'elle est concentrée sur le jeu que moi, bah, je fais rien en fait. Moi, j'attends qu'elle se déplace et qu'elle bouge en fait. Chapeau. C'est quoi ça ? Alors... Pourquoi ça joue pas Artisan HD ici, le jeu à la mode ? Je Quoi ? Connais pas le jeu. Artisan ? Artisan... Je connais pas non plus. Si ça c'est livre... Hein ? Il me manque des trucs, hein. Il me manque des salles. Les fées ont ensorcelé la porte.
Ouvrir porte. Attends. C'est le jeu de Zerator, il vient de sortir, tout de suite il joue. Ouais, bah écoute, non. Ouais, en fait, on... Faut vous mettre à la page, hein. Ah. Bah écoute, non. Ouf. Yeah. C'est juste que ça ressemble à un jeu de plateau. Ah, ça ressemble à un jeu de plateau. Ouais, genre. Celui-là, je ne sais pas. Il me... Pourtant, il parle beaucoup de chapeau. C'est la mine. Oui, mais on a pas le mot mine. Attends, montre-moi les mots. T'as mis quoi? TD? Ah, artisan TD? Attends, je rêve ou tous les streamers ils sortent des jeux maintenant? Ouais, écoute, c'est la mode, hein. Ouais, visiblement, c'est la mode. C'est un Tower Defense. Ok. Ah! La mine. Je mettrais bien celui-là, là, ouais. Non, tu viens de partir. Ah, c'est pas ça. Non, je pensais l'autre, là, lui. Lequel? Bah, celui que t'avais mis, là. Bah, ça fonctionne pas, j'ai essayé les deux. Bah alors, là, le premier... Ah, t'as essayé en inversant les deux? Ouais, j'ai essayé les deux. Le studio, c'est un Tower Defense. Le studio de Zerator, ça fait des années. Sérieux? Ah, bon bah écoute. On apprend des choses. Bah sinon tu continues de visiter, on va bien trouver... Quoi et quoi? Le seul truc que j'aimerais comprendre, c'est ça. Parce qu'il y a un symbole ici. C'est ce symbole-là. Et c'est financé par Zerator, oui, pas forcément. Après... Il fait ça. Chimie, ça ? Je sais pas. Ou physique ? Bon, après, il fait ça aussi pour éviter de se faire tout taxer, hein, parce que comme ils investissent dans leur entreprise. C'est ça. Quoi ? Ah, hein ? Oh, une règle. Ah, c'est que tu peux pas l'équiper. Enfin, c'est pas pour toi, quoi. Ça doit être leur cinquième ou sixième jeu, un truc comme ça. Ah oh, ouais. Garde-le, on regardera si tu veux. Alors, bon, ça c'est pour compter. Une règle, surtout. Mais j'ai tous les chiffres, hein, donc. J'ai tous les chiffres ? Ouais, j'ai tous les chiffres. Look inside, ce jeu-là et deux autres. Mm. Et ils sont bien ou ils sont pas fous? Qu'est-ce que c'est? Oh là! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah c'est des nombres. C'est 12 ça peut-être, non? Ou la part? J'en sais rien du tout, je comprends rien. Wow. Le tableau, voilà. Hop. Ouh. Ah oui. Oui, j'aime beaucoup, sans savoir que c'était le même studio. Ils sont tous dans ma liste de souhaits. Ah bah. Sérieux? Par contre, si ça part sur les maths, je vais pas y arriver, moi. Hein. Tu sais que c'est ce qui me plaît ici. Oui, je sais. Ah non, mais les maths, faut pas. Ah, c'est bon. Ah, alors. Oh, c'était un briquet. Camélie, ça va. Un allume-feu. Ah, aider.
Voilà, aider, ouais. Du coup, fumer. Non, c'était feu qu'on avait. Ouais. Ouais, les deux autres. Créer le feu. Ah, bah oui, mais si j'ai pas les symboles aussi. Règne le feu. Ah, bah oui, les monstres. Ça doit être monstre. Il y a toujours un monstre dans ce cas-là. Ah, tu vas devoir battre des monstres à la fin. Peur. Peur ou fuir, je sais pas. Hein? Où ça? Ah oui. Et ça, c'est le mot feu. Bah vas-y. Ah mais le feu, là, tu l'as sur la page? Oui, bah c'est ce que tu fais, mais il me manque le premier mot. Le premier mot, je sais pas ce que c'est. Bah allumer. Allumer, on l'a pas. Bah si, normalement, on l'a. Ah non, on n'a pas le... On a ouvert ou fermé. Je peux essayer tous les mots, hein, mais... Ouf. Non, j'ai pas. Premier, j'ai pas. Bon, on va le trouver plus tard, c'est pas grave. Déjà, on a les autres, c'est non, mais... Non, mais ils sont sérieux Bon, bah voilà. Alors, ah, du coup, ce symbole-là, là, le... Merde, c'était le... C'est un symbole en dessous, c'est quoi? Quel symbole de quoi? Symbole chimique. Ah, le symbole chimique, là, je sais pas quoi. Attends, c'était... On va y retourner. C'est là? Oui. Non, c'était pas là. Non, c'était pas là non plus. Allumer le feu, ah. Oui, bah oui. Ah oui, mais c'était le feu, du coup. Des mots, hein. Ah, mais c'est peut-être ça. Oui, c'est pas pour la nage. C'est la chimie. Difficile. Oh, ce tacle aussi. Attends. Oui, ce qui te dit, oui, c'est pas pour l'anal, les jeux difficiles. Ils sont bien, mais c'est pas des jeux pour toi. Par contre, l'idée est très difficile, donc c'est pas toi qui aimeras. Non, mais c'est pas pour l'anal. Non, mais. Allumer le feu, Kallax, c'est deux d'ailleurs. Ah. J'ai dit, je pense. Bon, les autres mots, j'ai pas encore. Peut-être par là avant de dégager. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a, chat? Bah non, tu sais le faire. Non, tu veux que je le fasse? Bon, bah je reviens. Okay. Je pense. Ah, j'ai tous les mots, mais maintenant j'ai pas encore. Oui. Papa, maman, je vais faire un scream. Ah, le scream, maman, sera Mario Kart. Ce sera Mario Kart, et après, je vais faire un autre scream. Tu vas faire un nouveau scream. Oui. Je vais faire un scream, c'est pas dans la Play, et c'est dans la Switch que je vais faire. Un scream vraiment. Parce que je vais jouer à quelque chose, je vais jouer à des autres jeux. D'accord? Oui. 5, 6. Et gros bisous, je t'aime. Maman. Hey,
Eh, il y a un truc, je sais pas ce que c'est. 9. Et où le 9? Mon fils qui fait des déclarations d'amour. Ah, pour lui, c'est sa manière de dire au revoir, vu qu'il nous le dit à moi. Ah oui, c'est ça. Logique. Ah, c'était zéro. Ah, bah, c'était mamie, c'était tata et tout. Ah, tu vois, j'avais dit 12 ou 0 tout à l'heure en plus. On a tous les mots, mais je sais pas si on a toutes les pages. Quoi exactement? Il nous en manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Est-ce qu'on en a 11 là-dedans? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il nous manque au moins une page, je crois. Hein. Ah non, t'avais compté 11 mots? Oui, mais non, on en a plus que 11. Ouf, pardon. Il y en a 3, 7, 8, doucement, 9, loulou. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il nous manque au moins une page. Ah oui, bon bah écoute. Continuons de fouiller, on va peut-être trouver la dernière page. Les dernières pages. Ça serait pas la mine, ça? Ou le cuivre? En tout cas, il y a un monstre qui a peur du feu. Hein? Oh non, non. Oh. Oh. Pourquoi c'est caché? Un rond avec une barre. Oh, oui, mais ça peut être quoi? Ça peut être ça, ça ou ça. Moi, je pense que c'est ça. Mm. Parce que quand tu regardes là... Oui. Tu veux dire quoi, Tonto Gamel? Tu peux me faire un scream parce que je vais jouer à Mario Kart. Non, tu vas juste jouer à Mario Kart, tu fais pas des streams. Tiens, enlève ton t-shirt de ton pantalon, là. Nat. Nat. Vous savez quoi, on va faire comme ça. Oui, une fois que tu penses à faire ça, mon chat. Et qu'est-ce que tu veux faire avec mon casque encore? Je vais régler le truc. Elle est concentrée. Oui, je suis concentrée. C'est mignon. Ah, c'est à Tonton Gamel qui veut parler. Ah, il veut parler à Tonton Gamel. T'as mis le son du live ou pas? Ah, j'ai trouvé. Il a le son du ma live, là, c'est oui, bon. Il a le son du live. Tiens, vas-y. Gamel, il a le son du live, mais tu l'entendras pas, il parle pas. Tonton Gamel, et moi, je vais faire un stream à la Switch. Tu vas faire un stream à la Switch? Oui. Tu vas faire un stream? Oui. Je te demande ce que tu vas streamer comme jeu. Je vais faire un stream. Je vais faire plein de screams. C'est maman qui fait les screams, c'est pas toi. Si, c'est vrai. Tu vas faire un stream. Ok, allez, va, sauve-toi. Je l'aime, mais il me fatigue. Je vais faire chaque, hein, au moins comme ça. Ah oui, au pire de pifomètre. Ah oh, j'aurais pas pensé ça, par contre. Ah bon? Ok. Ça, c'est bon. Bah, il nous manque celle-là. Ça, on est sûr. Moi, je pensais que ça, c'était la salle, en fait. Ah, il y a celle-ci aussi. Okay.
Bon, déjà ça c'est pluriel. Ça on sait pas ce que c'est. Ça c'est une salle. Ça c'est le restaurant. Ça c'est le truc avec les chimistes. Là. Non, c'est pas passé. Ah bah ce serait ou celui-là. Ce serait ça. Les chimistes par contre, je sais plus lequel c'est. Faudrait revenir en arrière. Ouais. Il me manque une page par contre. Non mais Lana, les symboles de lieu sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Oui, oui, je sais que les symboles de lieu sont tous pareils, mais c'est compliqué quand même. Je sais qu'ils sont tous pareils, mais je sais pas dans quel ordre les mettre. Ça là, celui sur lequel tu es, ce serait pas ça, la mine? Non, la mine pour moi c'est celui d'en bas. De toute façon les quatre là, ce sont les seuls. Non, je pense qu'il faut que t'inverses les deux là. Sur les celles qui sont sur la même page, ouais. Okay. Non, la cuisine, on sait que c'est ça, mais c'est ça. Pour moi, la mine, c'est ça. Hein. Non, 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 j'aurais inversé Ah non, attends, oui. Ah non, c'était ce que tu m'as dit. Non, hein. C'était ça. Oui, oui, c'était ça que je disais. De toute façon, ce sont les trois, on sait. Donc, le restaurant, bah, je suis sûr. En fait, il reste juste à inverser les trois autres. Ouais. Ça. Ça. Ça, c'est pas ça. Le premier là. Là. Voilà. Bibliothèque, ouais, réfectoire. Laboratoire, mine. Ah bah voilà, on l'avait. Il nous manque une page. Il n'y a plus qu'à fouiller. Et les formules, mais les formules, je les comprends pas, donc... Bah vas-y tu, déjà sur les formules, tu vas même pas sur les formules. Bah si, je suis sur les formules. Ah mais je peux pas non, aller mais... dessus, je peux pas. Je ah peux tu pas peux bouger. Pas aller dessus. Non. Ah mince. Parce que c'est faux du coup. Ah oui, en plus il est pas content. Non, ça c'est une règle, on s'en fiche. Parce que c'est ce truc là, mais ce truc là, je. J'en sais rien. De toute façon, il me manque du cuivre. Et le cuivre, le souci, c'est que c'est avec le monstre. Sauf que le monstre, il y a un code. Est-ce que je. Et si je monte parce que je suis pas montée encore? Ah si. Ces escaliers. Et par là, c'est quoi? Ressortir. Laboratoire 2. Ah, laboratoire numéro 2. On va essayer de voir ce truc là. On va voir ce qu'ils disent. Parce qu'il me manque un truc. Je sais pas ce que c'est. Déjà on me met juste ça, ça fait quoi? Bah, y a un code à trouver. Ouais. Ça fait rien. Ah c'est pas ça. Ah Ah bah oui ça. Bah ce serait. Mais c'est pas dans le monde. Ce symbole. Rond, triangle. Ce serait ça. Rond, triangle. Et ça? Bah non. Ah, si, c'est ça. Bah, sauf que t'en as un d'un côté et l'autre de l'autre, donc ouais. Je sais pas. Je
Celui-là, les deux sont de côté. 2, 9. 5. 1. 9. 5. 3. Non, mais je comprends pas le truc par contre. 9, 3, 5. Ah si, c'est ça. Non, c'est pas ça. Ou alors c'est moins parce que c'est 9 moins 9 moins 3 moins 5, bah ça fait 1. Il y a peut-être des 0. 300 je sais pas. Parce que c'est totalement là-bas, hein, c'est sûr à 100%. Je comprends pas le truc. 9, 3, 5. On va regarder, on va retourner vers le truc. Alors, quoi ? On va regarder le truc de la formule. Oui, les chiffres, ils sont... Oui, c'est les quantités, je pense. Ah. Ah oui, c'est pas con. Mais du coup, c'est pas ça. Mais là, les chiffres... C'est toujours posé sur le 0, en fait. C'est juste que la position des symboles... Ah, ce serait 0. Ce serait 0... Zéro, cinq, trois, neuf. Parce que je voulais voir la formule, je voulais voir ce que c'est. Je peux pas aller dessus, c'est chiant. Je peux même pas y aller avec mon. Non, je peux pas. Parce qu'en fait, j'essaie de voir si ça, là. Bah, un, deux. Ça, c'est l'or, je crois. Or, argent et l'autre, je sais plus. Alors, il dit, faut que tu penses juste que la position des chiffres autour de la barre, ça correspond à une position. Ouais, c'est ce que je pensais, ouais. Position des chiffres autour de la barre. Il n'y a pas d'addition ni de soustraction, c'est juste une question de position. Ce serait 0, 5, 3, 9. C'est vrai que j'ai pas pensé au 0, mais il y a le 0 aussi. Ce serait 0, 5, 3. Faut que tu penses que la position des chiffres autour de la barre, ça correspond. Pas d'addition ni de soustraction, juste une question de position. Dans ce cas, ça serait 5, 3, 9. Je vois pas. 0, 3, 5, 9. Ou 3, 5, 0, 9. Non, 5, 3, 0, 9, pardon. Bah non, parce que c'est la position. Bah justement, je sais pas. Mais ça a pas marché. 9, 0, 3, 5. 9, 0, 3, 9, 5. J'en sais rien. Comment je suis censée savoir ça? Avec les formules? Bah oui, mais les formules, elles indiquent rien. Bah si, elles indiquent les nombres, mais faut qu'on voit à quoi ça correspond. Je comprends pas. Je peux le faire au pif, hein. Je vais bien finir par tomber dessus, mais... Voilà.
pas 059. J'ai déjà essayé, je crois, ça. Quand tu testes et tu... Oui, mais c'est dommage de tester où. 5039. 5039. Je sais pas pourquoi. Bah, c'est ce que j'avais dit, hein. Bah, j'ai essayé. 5. Ouais, mais fallait que ça revienne à zéro, peut-être. 39. Je sais pas pourquoi, mais ok. Parce que 5, c'est le premier. Ensuite 0, oui, on descend, 3 et 9. Ouais, ok. C'est au pif, hein, mais... Alors la formule, du coup, c'est quoi? Moi, formule. Moi, j'ai obtenu. Moi, trouvé. Moi, trouvé ou moi, obtenu, formule. Ah, c'est celle-là. Oui, il faut le marquer. Sauf s'il va le marquer, lui. Ouais, il va le marquer, c'est bon. Comment tester, c'est du pif. Bah, c'est du pif, là. Je sais pas ce que j'ai fait. Là, par exemple, je vais devoir le refaire. Ça, je sais pas comment je l'ai fait. Hein. C'était quoi, on a dit 5039. Ouais, 5039. Donc ça, c'est 5, 0, 3, 9. C'est de gauche à droite, de haut en bas. Moi, je le vois comme ça. On va tomber et sur c'est un ça, monstre. De haut en bas. De haut vers le... Tu vas de... Et tu vas de... J'ai pas trop envie d'aller dedans. Gauche à droite, quand tu lis. De bas, de haut en bas, et de gauche à droite. C'était quoi du coup le... C'est un trou? Ouais, c'est un trou, il y a un monstre dedans. Ah, il y a un monstre dedans? Ouais. Attends, j'entends pas le son, moi. T'as refait le son? Là. Ah oui, on entend un truc qui grogne. Mmh. Je suis contente d'avoir récupéré un peu ma voix quand même. 5-0-3. Ça du coup. Ah mais c'est la formule qu'il faut marquer. Mmh. Punaise, mais moi je veux cliquer mais il faut que j'arrête. Hein. Pardon. Ah bah non. Ça fait rien mais... Non non, c'est pas ça. Non, c'est les mesures je pense. Tu sais, dans la cuisine. Ouais ouais, c'est dans la cuisine. Tu peux mesurer les choses. Oui, mais dans tous les cas, manque un truc. Vas-y, manque un truc. De faire ça. Mais c'est pas ça, c'est que j'ai pas le cuivre. Ça c'est quoi? C'est pour marquer les mesures. Vas-y, essaye de marquer le truc de la formule du cuivre. Cuivre? Non, j'ai pas. Ouais, le nombre de la formule du cuivre. L'or, tu veux dire. Le cuivre, il y a quoi? Bah, or, argent, carbone. Or, argent, et... Ah bah, carbone. Ah coup... oui, il y a pas de cuivre, du coup. Du coup, ça voudrait dire 1... Non, ça veut dire 1, 4... Ouais, 1, 4... 1, 4, 5... 1, 4, 0, 5. Peut-être pas, on sait pas. 1... Si, 1, 4, 0, 5, moi, je dirais. Un 4. Zéro. 5. À côté. Non. Pense. Moi, je suis pas sûre. Bon, fais comme tu le sens. Mais non, parce que du coup, c'est au pif. Il manque un truc. Il manque l'argent ou le carbone. Pas logique. Ça. Non, à mon avis, ça c'est la pesée, mais après... Non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça.
futur se passe. Bonsoir sur vous. Laboratoire, laboratoire. On va bien retourner à la compte. Bah faut que tu remontes. Voilà, par là. Ah, il faut que je remonte. Bah non, repars par là. Par la gauche. Non, non, quoi. Non, là, là, là. Mais oui, mais dis à gauche ou droite parce que y a un décalage. Et où? Bah à gauche. Ah. Que tu dis par là, par là, par là, mais. T'oublies qu'il y a le décalage. Ah, parce que. Oui, oui, je me dis à chaque fois le décalage. Et tu remontes avec l'ascenseur. Ah. Et après, ce sera ah, à droite. C'est à droite. Il me semblait que c'était... oui. Bon. Hein. Ah merde, je viens de... Ah c'est chiant de devoir passer par là. Ouais. Mais t'as un autre chemin, à côté de la bibliothèque. À côté de la bibliothèque. Oui, de l'autre non, côté, c'est à l'opposé, barré. Là tu vas à gauche. C'est barré, il y a une croix dessus. Sérieux? Quand c'est pas l'heure, il y a une croix dessus. Bah, je sais qu'en tout cas, quand je suis rentré, il y avait une croix dessus. Oh, c'est chiant de devoir attendre. Ouais, on profite. Tant pis si je loupe, mais je dois. Ça arrive. Bah, non, si tu loupes après. Mais je dois faire pipi. Bon, vas-y, je vais rentrer. Ouais. J'attends. Non, va faire ton pipi, va faire ton pipi. Va ah faire non, ton c'est pipi, bon, c'est pas j'attends, c'est pas grave. On va faire pipi. Mais vas-y. Ah d'accord. T'attends là d'y aller. Oh là là. Je lui ai dit d'y aller, hein. Elle m'écoute pas. Elle ne m'écoute pas. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? T'as rien à faire au resto. Bah apparemment si, il y a un truc de pesé là-bas. Et si c'est là qu'elle loupe. Elle a dit c'est pas grave si je loupe. Voilà. Bah voilà, vous voyez, elle est pas loupée. Je savais qu'elle était rapide. Y'a que moi qui suis longue. C'est vrai. Et gamelle aussi. T'as rien à faire au resto. Vous pouvez pas le dire avant, bah tant pis. Mais si, parce qu'on doit voir. Je sais plus quoi, on doit voir quoi. La balance. Ah oui, la balance. Elle est au resto? Je sais plus. Elle est peut-être pas au resto. Oui, elle est au resto. Si, si, elle était au resto dans une salle à côté. C'est là qu'elle loupe. Bravo, moi. Et tu vas remplir ton. Ah non, c'est pas. Oh non, c'est. Attention, ça va ouvrir. Attention, ouais, ça va ouvrir. Tu ouais, je sais. Bah, c'est ce que je te dis, hein, tu montes vite de niveau. Non. Ça fait 20 minutes. Dans le jeu de la Tata Lana, c'est tout. C'est juste la porte, là, elle s'ouvre. C'est tout. On fisque. Attendez. Ah, mais non, ça, c'est pour sortir. Elle est à côté, littéralement, pas au resto. Bah, oui, mais sinon, on rentre par. Là. C'était ça.
Voilà, c'est ça pour moi. Argent. Mais t'avais pas besoin d'attendre. Ça, j'avais pas besoin. L'argent. Mais il me manque le or cuivre. Mais j'ai pas de cuivre, du coup. Mais là, on a besoin que de l'argent et du carbone. Non. Donc, c'est pas grave. Argent, or. De l'or, l'argent et carbone. L'argent, c'est 1. Attends, je... 1. Non. C'est du coup, c'est celui-là. Ah, ils peuvent pas me mettre les chiffres collés simplement. L'argent, c'est le S ah, là. Le, et... celui tout en bas, dernière colonne. C'est ça ? Ah oui, il est à l'envers. Donc c'est 8, 0. Ah non, c'est 0, 8. 1, 2. Argent bah, 0812. 812, pardon. 812. Oh, vas-y, comment. Ah, ça va être chiant. Non, mais ça veut dire qu'il faut connaître les chiffres par cœur. Ça c'est 9. Ah oui, sans doute. Pour l'argent, hein. Prêt à l'or, ou c'est 1405. Là, t'as mis 500. 500, ça ? Bah, c'est le 0, c'est 5. Donc ouais. Là, moi, je pense comme il est en haut, c'est 500. Si, c'est ça. Là, ce serait 500. 8. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est 9 ou c'est 8? Non, bah, là, c'est 1 et 2. Ça ferait 8. Mais ça, c'est 100. Donc, 100. Ouais, là, ça fait 8. Là, t'as 800. Si, essaye. Vas-y, 800 et le truc, c'est 12. Je pense que le truc des petits, il y a un truc, hein. Là ça fait 10 et là ouais, tu mets 2. Non mais laisse les gros que t'avais mis. Mais c'est pas logique, ça fonctionne mais pas. Mais laisse les gros que t'avais mis. Mais t'as pas essayé Mais t'as pas essayé jusqu'au bout. Remets l'autre un grand là. Ouais. Heureusement que je suis là pour l'aider, mais m'écoute pas. Hein. Mais je comprends pas, j'aime pas qu'on. Et après tu mets. Mais je comprends pas. Moi je veux comprendre, je veux pas juste faire. Là, écoute, là tu vois, là sur celui que tu es, c'est marqué 200, parce que le 2 il est en haut, et après t'as que des zéros en bas. D'accord ? Et le 2 il est à droite. Là, celui-là, tu bouges plus. Oh. Remonte tout en haut là dans la signification. Ah. Ouais. Bon, ça, on est d'accord que ça, là. Voilà, ça c'est 2. Ok, ouais, ce symbole là oui, c'est 2. Oui, c'est 2. Retourne sur le truc. Non, mais retourne sur de la balance là. Ah. Sors de ton livre là. Sors de ton livre. Voilà. Là sur, là, sur le poids dans lequel tu es, là, c'est marqué 200. Oui, parce oui. Parce qu'il y a la barre en dessous. D'accord ? Et tu n'as aucun chiffre en bas, donc ça veut dire que c'est 0,0. Ça se lit en Z, en fait. Les nombres se lisent en Z. Donc là, tu as marqué, là, tu as mis en poids 810, là. Et maintenant, il faut que tu mettes deux petits poids. Tu vois ? À droite, c'est le 1. Là, sur ce poids-là, va sur le poids qui est devant. Le 1, il est là. Le poids qui est tout devant. Va oui, sur oui, le poids oui, qui est oui tout devant. Je suis devant. Je suis dessus. D'accord. Bon. Là, la barre, là, tu vois, c'est un 1. Et tu vois qu'il est placé à gauche. Ouais. Donc, c'est un 1 et un 0. Parce qu'à côté, il n'y a rien. Donc, ça fait 10. D'accord ?
Bon, mets les deux fois tout en haut là. Oui, mais j'aimerais bien comprendre. Tu m'entends les deux 1. Mais oui, mais je vais tu vas comprendre après. Mets les deux poids, le 1 là. Tout en haut. À en haut à gauche. Voilà, là t'en mets deux dès comme ça. Voilà. En haut à gauche, ce sont les milliers. Premier chiffre en face, haut à gauche. Attends. Premier chiffre en haut à gauche, ce sont les milliers. Ensuite, deuxième, les centaines. Chiffre en haut à gauche, ce sont les milliers. Sur la barre, oui. Là, voilà, c'est bon. Là, t'as le nombre et là, tu appuies sur. C'était quoi? C'était de l'argent qu'il fallait? Oui, mais c'est pas logique. Parce que regarde, je suis pas dessus, je suis pas au milieu, je suis pas dans la zone bleue. Mais après, tu mets ta barre en argent. Oui, oui, mais ça, je sais que ça se lit en Z, c'est moi-même qui l'ai dit. J'ai dit ça se lit de gauche à droite et de haut en bas. Je sais, j'ai compris ça, mais... Qu'est-ce que t'as pas compris alors là, dans les poids? Mais je comprends pas. Je comprends pas comment ça fait 812. Mais... Ça, le gros là. Oui, le gros c'est un 9. C'est pas un 8, non, c'est un 9. Non, c'est pas un 9, c'est 500 si. Ça. Non, ça, oui, c'est 5. Oui, c'est 5. Donc ça, c'est 500. Ouais. Tu vois? Oui, mais ça, si c'est ça, c'est 500, ça veut ça, dire que... Et ça, c'est 200. Bah alors la colonne, la deuxième ligne, c'est juste les centaines, c'est tout. Non, ça se lit en Z, comme tu l'as dit. Donc en haut à gauche, c'est les milliers, donc quand il n'y a rien, c'est zéro. Ensuite en face, en haut à droite, c'est les centaines. Quand il n'y a rien, c'est un zéro. Ensuite tu descends en bas, c'est les dizaines à gauche. En bas à gauche, c'est les dizaines. Et en bas à droite, c'est les unités. Gamelle, elle peut être moi là, à lui faire confiance, j'arrive pas à lui montrer. Je sais pas si elle écoute, si elle écoute, si Gamelle écoute. Bon, attends, je vais essayer de faire un truc. Le fond des étagères et les poids descendent en... Oui, c'est ça que je demande. Le fond des étagères, bah les étagères là, celle-ci, c'est les centaines. Et ça, c'est les dizaines, non? Simplement. Attends, je suis en train de te faire un dessin. Qui sont en dizaines? Quoi? Ah bah donc, t'as écouté? Non, j'entends, mais... Il a compris? Il a dit qu'il entendait mais qu'il comprenait pas parce qu'il a pas tout suivi forcément. Mais j'aime pas les maths, j'aime pas. Bah j'aime pas ça non plus et pourtant pour le coup là j'ai trouvé. Bah oui mais parce que toi c'est logique, moi pour moi c'est juste des chiffres, que ce soit en français ou pas. C'est proportionnel à la taille du poids aussi. Oui. Voilà, le gros poids, là. Ah bah, c'est 2 plus 3. Oui, mais je... Bah, du coup, ça devrait... Oui, mais alors, si on suit cette logique, ça, c'est les dizaines, ça, c'est les centaines, et ça, c'est les milliers. Les plus gros sont les milliers. Si on suit la logique du les plus petits sont les plus petits dans les chiffres. Pour aller en forme, les plus gros poids sont les plus... Ouais, c'est juste la logique. Je vais appuyer, mais honnêtement. Bah, c'est pas ça. Mais parce qu'il faut que tu mettes de l'or à côté. De l'argent, je sais plus quoi. Ah non, je peux rien faire.
peux rien faire. Je peux pas mettre d'argent à côté. Non, attends, je vais supprimer ce que j'ai fait parce que ça va pas du tout. La mise. Bah voilà, t'as pas mis les éléments. Okay. Si, il faut que tu remettes... Attends. T'as encore un truc à ajouter. Ah bah voilà. Vas-y. Non, parce qu'il faut faire les deux. Elle a réussi, mais elle a pas compris. Je comprends. Il faut que tu mettes là de l'or. Oui, oui, ça, oui, ça j'ai compris, voilà. Mais. Je comprends pas. Bon, là, t'as mis quoi? T'as mis l'argent déjà de l'autre côté ou pas? Ah oui, l'argent. On va mettre l'or, je vais essayer, de faire l'or. Oui, mais je vais essayer de le faire, mais retourne sur ton cahier, voilà. Donc l'or. Attends, parce que toi t'as compris, mais moi j'ai pas compris. En Z. C'est le... Tu lis en oui, Z. Oui, oui, bah c'est là ça va faire 1 5 3 1 4 4-0-5, moi c'est comme ça que voilà. Je lis en Z. Mais c'est oui, mais c'est 1405. Ce que j'ai dit. 1405. Bah 1405 ça fait. Donc après il faut que tu fasses la même chose en poids. Faut que tu obtiennes 1405 kilos. En clair. Grammes plutôt. En grammes. Oui, mais c'est cette étape là que je ne sais pas. Comment est-ce qu'on sait que les poids sont comme ça? Là, le rond, là c'est quoi? Le rond avec un point. C'est le 5. Donc. Il est placé où, le 5? Au sort du livre, là. Je vois le chiffre, mais... Ça se lit en Z. Oui, je sais, ça se lit en Z. J'ai compris, donc, ça. 1400... Oui, ça j'ai compris, mais je ne comprends pas comment le trans... Et ça fait pareil sur les poids. Non, parce que les poids sont pas au même endroit. Le chiffre sur le poids, il est pas... Tu as déjà fait des mesures de poids? Comment ça? Avec des poids... Il faut que tu additionnes les poids pour que ça soit bon. Oui, ça je sais. Donc, ce poids-là sur lequel tu es, c'est quoi? J'ai bougé depuis. Non, t'es juste dans le livre. Je... Là, je vois pas comment... Moi, j'aurais mis... Le poids sur lequel tu es, c'est quoi le... Ah, c'est le 1. C'est 1, mais je sais pas. C'est 1. C'est le 1 unité ou c'est le 1 dizaine ou le 1 centaine ou 1 millième? Je sais pas. Moi, j'aurais dit c'est le plus gros, donc c'est le 1000 parce que c'est dans les plus gros. Mais après, c'est tout. Là, c'est le 1000. Dans ce sens-là, tu crois que c'est le 1000? Je sais pas. Je comprends pas. En haut à droite... en haut à droite, ce sont les centaines. Bah oui, bah du coup, c'est pas logique. Donc, c'est quoi, ça? Oui, mais c'est pas logique parce qu'Amélis elle a dit que c'était en fonction de la taille aussi, des poids. Mais regarde la taille. Bah oui, mais celui-là il est plus c'est grand. C'est 100. Mais celui-là il est plus gros que celui-là. Non, il est. Hein? Ah si. Qu'est-ce qui est plus gros que lequel? Le plus gros que quoi? Oui, mais celui ça c'est de... 10. Celui en haut. Mais ça c'est pas les centaines. Bon, remonte tout en haut. Remonte tout en haut. Tout en haut à gauche. Remonte tout en haut à gauche. Ça, c'est les dizaines, ça, j'ai compris. Oui, bah voilà. Mais oui, mais ça, c'est les dizaines. Mais du coup, pour moi, ça c'était les unités, centaines. Ça. Non, ça, c'est les unités. Attends. Je comprends pas. Vas-y, c'est chiant comme jeu. Bah, laisse-moi, Nathanelle, attends. On est en train de se fâcher avec Lala. Mais non.
Stop. Il est pas là, Tonton Gamel. Bah si, il est venu aider Tata, mais il t'entend pas. C'est quoi le but? Bah, il faut que je mette 1405 en poids là-dessus. Sachant que ce chiffre-là, le 1, la barre avec le 1, c'est le 1. Ça, c'est le 5, le rond. Ça, c'est 2. Et il faut mettre en poids. Et apparemment, il y a une question de 1000. Ça se lit de gauche à droite comme un Z. Il y a une question de 1000, de centaines, de dizaines. Mais je comprends pas. Ça, c'est 2. Ça, c'est 2, non. Mais... Bah celui-là, si c'est le chiffre 2, celui avec les deux barres, c'est le chiffre 2, mais je sais pas si c'est 2000 ou... deux, mais il est positionné en haut à droite. Les elle chiffres se lisent en Z. Les nombres se lisent en Z. Elle dit que le chiffre se lit en Z, ça ok, mais il est positionné en haut à droite. Je t'ai dit que c'était quoi combien c'était ce poids-là, je t'ai dit. 200. Et les nombres sur le poids en Z, comme les autres trucs. 200. La barre toute simple, c'est 0. Là, c'est le poids sur lequel tu es, c'est 200. En haut à droite. Attends, tu sais quoi, explique. Attends, explique ce que tu m'as dit à Gamel. Peut-être que lui, il arrivera à m'expliquer avec ses mots. Vas-y. Ok. Attends, j'attends juste que je vois que t'as bien la caméra. Ah oui, t'inquiète. Donc, là, ce poids, c'est 200. D'accord. Parce que en haut à droite, ce sont les chiffres des centaines. Attends, en haut à droite, c'est-à-dire... Ok, d'accord. Voilà. Quand tu descends, ça se lit en ça. Z. Donc, en haut à gauche, ce sont les milliers. En face, à droite, ce sont les centaines. Ensuite, tu descends en Z. Donc, en bas à gauche, ce sont les dizaines. Et en bas à droite, ce sont les unités. Donc là, le poids qu'elle a sélectionné, c'est 200. Parce que quand tu lis en Z, t'as le 0... Ah, le 0, bah, t'as rien du coup. Donc 0, voilà, donc, rien, c'est 0. Tu vas en face, c'est 2. Tu descends en Z, ça fait 0 et 0. Parce qu'il n'y a rien. Attends. Donc là, en haut à droite, en haut à gauche, il y a quoi? Un 0. En haut à gauche, il y a un 0 parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Ensuite, tu vas en haut à droite, c'est 2. Non, mais comment ça se... Ah, donc si, le long de la barre, ah, donc en fait. Si. Ah, la barre, c'est 0 aussi. Oui, la barre, c'est d'accord, 0. D'accord, ok, en fait. Ok. Ça, c'est en, fait, ça, en fait, les chiffres se placent autour de la barre du milieu. Quand il n'y a pas de chiffre, entre guillemets, quand il n'y a pas de symbole, ça veut dire que c'est 0. Putain, donc, ok, d'accord, j'ai compris. Okay. Ouais, ok, j'ai compris comment ça fonctionne. Tu peux m'expliquer? Bien sûr, donne à ton un carnet ou un truc. Donc en fait... Merci Gamel. Ok, d'accord. En fait, imagine ça. C'est comme ça que tu vas lire ton nombre. Donc, oui, le Z, ça j'ai compris, c'est vrai. Ah, dans ce sens-là. Donc, là, imaginons... Je dois faire le chiffre. Voilà, 1405. Ça va être 1, puis 4... Bah, en fait, là... Tiens, ouvre le livre. Ça, tu là. Lis. On voit ça, le tu 1405. Lis comment, du coup. Si ça, c'est les milliers, centaines, dizaines, unités. Du coup, c'est 1234, tu vois. Bah, là, c'est pareil, en fait. Là, t'imagines qu'il n'y a rien, du coup, c'est 0. Là, il y a un chiffre, du coup, 2. Là, il n'y a rien, 0. Et là, il n'y a rien, 0. 200. Est-ce que tu ouais, vois? Ouais, ça, oui, je suis. Ok. Du coup, si on suit cette logique, là, il y a quoi? C'est quoi ce chiffre-là? C'est le 5. Du coup, ça fait... Voilà, exact. Là, si on suit cette logique-là, là, il y a quoi? 0, 1, donc, 10. Voilà, exactement. Et là, si on suit la même logique, c'est 0, 0, 0, 1. Donc ça, c'est 1. Tu vois? Ouais, je crois. Ok. Dis-moi ce qui te fait douter encore un petit peu. Bah, comment... Tu vas mettre 2 le fois 1000 500. Bah, en fait, comment t'obtiens 1000? Comment t'obtiens 1000? Bah 500 fois 2. 500 fois 2, exactement. Donc là, si tu fais 500 et 500, t'as 1000. Et comment je vais obtenir le 400? Le 400, c'est 100. Bah, 400. Parce qu'il faut mettre 2 fois 2, 2. Bah, ah non, bah je non, mets ça, 100, ça 100, ça. 200, 400. 5. Et le 5? Exactement. Ah. Voilà. T'as compris, c'est bon?
Ok. Oui, je savais aussi, j'étais en train de le dessiner, mais en fait, ça arrête. Ouais, je lui ai fait, c'est, je lui ai fait ce dessin, attendez. Et ce dessin-là, voilà. Attends, montre. Voilà, si t'as encore, besoin... Ah, si t'as oui, encore besoin d'aide, tu me dis. Merci, parce que là, je... De rien, Loli. Comment l'expliquer. Je savais qu'il foutrait un dessin. Ok, là, c'est... Oh, les mâles. Ouais, donc du coup, tu fais un blocage mental. Oui. Bon, là, 1405. Du coup, il faut juste 1405, que tu mettes 1400. Ça. Ouais. Non, là, c'est 500. Oui, voilà. Parfait! Et là, après, tu choisis, c'était l'or. J'ai choisi. Parfait. Donc là, du tu coup, retires le poids. Non, je peux pas. Il me manque. Bah, il me manque. Non, tout est blindé là. Regarde. Ah oui. Dans la machine, tout est blindé. Donc là, il faut quoi ? C'est quoi le dernier ? C'est du carbone qu'il te faut ? Là, c'est cuivre. Cuivre, non, on mangeait déjà. Ah non, cuivre j'ai pas. Carbone. Oui, c'est carbone. Et donc là, le en bas, c'est quoi? Combien il faut de carbone? Carbone, ça va faire 0, 0, 4, 6, 46. Chiant. Bah non. C'est des unités. Oui, justement. T'as déjà une unité de 5 et t'as juste à rajouter une unité de 1. Laisse le 5. Oh. Oui, c'est pas grave. 4. Ah, ouais. Voilà, tu vois. Et là, t'appuies juste sur le carbone. Et là, normalement, c'est bon. Et là, t'as juste à faire la transformation à côté. Que ça me donne ? La clé, ou je sais pas ce que c'est. Ok. Tu fais quoi ? Bah, c'était une pièce transformée, donc... Manque toujours un dessin aussi. Bah oui. C'est ça t'a pas ouvert une... enfin ça t'a pas mis une clé pour une porte. Je... Bah vise partout. Ah hey, bah c'est bravo. Si. Ah bah oui, ça va là. Mais est-ce que je sors de la zone là ? Bah au pire tu referas demi-tour si tu sors de la zone. On va voir s'il manque juste un truc. Ah ! Ça a l'air d'être une nouvelle zone ça par contre. Ah. On va voir, peut-être que je vais débloquer la dernière page ailleurs. Là il y a encore un truc. Ah non, c'est un nouveau langage. Est-ce que tu veux bien regarder ce qui il manque comme page, parce qu'il manque une page avec 4 trucs. Ouais, c'est la nouvelle. Parfait. Il manque une page pour 4 mots. Moi, trouver. T'as même 5 mots à trouver. Ouais, j'ai 5 mots. Mais je suis sûre que ça va sur une seule page. Hein. Oui, c'est probable ça. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. 11. J'ai 11 pages. Attends. Attends, je vais voir. Oh, c'était compliqué les poids là. C'est bon, c'est laquelle j'ai pas. Du coup, il faut juste la trouver, mais en fait, on aurait dû la trouver avant de ce que j'ai. On aurait dû la trouver. Où ça, du coup? Bah ici, après celle-là, quasi. Est-ce que les deux se suivent? Bah oui. À faire. Ça c'est le dernier. Pourquoi tu veux t'asseoir sur moi? Non, moi je veux pas. Bah elle a continué de monter la. Elle a continué de monter la tour, c'est tout. Bah où est-ce qu'on est? Non. Ah, peut-être à gauche. Peut-être sur là à côté là. Ah. T'as été descendu là? Ouais. Ouais. Ouais mais j'ai pas de. J'ai rien moi pour ça. Bah faut faire une clé comme tout à l'heure là. Pas la même que tout à l'heure hein. Non, c'en est une autre. Mais C'est un espèce de bois ou je sais pas un arbre quelque ouais. chose comme ça. Oui. Ah attends. Je suis mis. Et des escaliers qu'on n'est pas descendu en plus. Ah, attends. Passe au tout. On avait peut-être pas fait. Attends. Ah si, je crois que si. Peut-être qu'après j'ai pas réellement. Ah, j'ai que je. Un, deux. Ah c'est pas celle-là. Bah non c'est pas celle. Je me suis mis le doigt dans l'œil. Ah. Ah non, je l'ai pas, on est d'accord. Hein. Non, non. Bah, je sais pas quelle page c'est, mais. Je pense aussi qu'il t'en manque une. Que regarde les symboles qui me restent. Il me reste un rond avec. Barre et un petit rond. Juste... Celle-là? Elle est au tout début? Ah oui! Pas normal, on avait cliqué sur. Et c'est dans la pièce. C'est dans la même pièce. Et tu regardes la. La fresque? Pourquoi tu regardes la fresque? Mais on l'a regardé la fresque. Et tu peux. Tu peux regarder le deuxième passage? Oui, tu je crois. En bas à droite? Oui, je crois. Ah, c'est ça qu'il faut regarder, il y a note, hein? Oui, descend l'escalier. Non, pas l'escalier, le. Ouais, l'ascenseur. L'ascenseur. Bon après il y a un truc qu'on n'a pas parce que j'ai vu là à gauche qu'il y avait un truc qu'on pas la clé. Merde, c'est bizarre, comment ça se fait qu'on n'ait pas la clé dessus? Parce qu'on a peut-être pas fouillé encore partout hein. En vrai si je débloque tout le texte c'est... Je veux le langage à 100% moi, le reste je m'en fous mais je veux le langage à 100%. C'était là, non? Ah oui, c'est ça. Ah putain, je sais. J'ai juste pas cliqué sur ça. C'est juste ça. Oui, oui.
Ah, plus rien. Là, elle va dessiner du coup. Ah oui. Eh, hey, voilà. Doucement, Nat. Ah. Belle. Ah. Ah, du coup, on avait raison, hein, c'était bien trouvé. Oui. Ça, je sais pas. Ah, c'est cherché. Voilà. Ah non, c'est pas ça. Oh, j'ai cru qu'il se mettait à pleuvoir fort. En fait, c'était juste une voiture qui passait. Ça ? On recherche, vous êtes. Et nous avons. Pas ça ? Il nous manque un symbole à la fin. Non. C'est quoi le symbole en bas ? Ça. Cherchez vos corps. On aurait inversé, cherché et trouvé ? Ah, c'est possible. Ah oui, c'était ça. On avait déjà fait la même erreur l'autre fois. Ouais. Non, j'aurais dû avoir la page. Vous avez entièrement traduit la langue des alchimistes. Ben voilà, c'est bon. Parfait. Ah oui, maintenant je peux. En recherche, c'est vous êtes. Trouvez, quoi, nous avons. Vous cherchez, nous trouvâmes. Ah, du coup, là. Ah oui, mais non, il n'y a pas de point. Ça, ça donne quoi? On est chez les alchimistes. Pas. Si, je te dis. On va peut-être du reste. Ah, ouais, on va revenir. Pas. Je préfère me réorienter toute seule, je sais pas. C'est pas. On va ressortir par ici, hein. non, c'est bon. Ça retombe quand même. Alors qu'en plus de ça, j'ai galéré. Le dernier, il est long ou pas la dernière langue? Du coup, là, il faut remonter, c'est ça? Passer par là. Bon, au final, il y a juste un truc qu'on n'a pas, mais pas très grave. Je cherche pas à faire le jeu à 100%, je veux juste la langue. Et ici, c'est par où pour remonter déjà? C'est par là? Ah oui, c'était par là. Et par là-bas, je crois. Pas du tout. Où je vais? C'est la bibliothèque, non hein? Je sais plus, je t'avoue. Ah, c'est là. Bah, c'est bon. Ah bah oui. Ah non, parce qu'ils ont tous un univers différent quand tu regardes. Là, c'est ouais. Mauve. Enfin, c'est toujours très très différent. Du coup. Merci. Ça, j'imagine que c'est ça. Ça, le bar en bas, c'est la foule, ouais. Ouais. La sorte de V, là, c'est la tour. Ouais. Ah, la croix, peut-être. Ou pour la croix, solitude. Ouais. Ah oui. Exil. Ouais. Bon, bah, parfait. Premier fait. Ah, il y a un symbole, là. Ah, ok. On va aller où? On va remonter ou... On va d'abord aller là-bas si on voit que...
Hop. Ça, c'est l'exil. C'est fait. Comment cette zone? Ah, c'est bizarre. Que des traits. Ça, j'imagine que c'est pour. Je sais pas s'ils disent vraiment bonjour. Hein. Non, mais bon. On va imaginer que c'est moi. Et du coup, ça, ce serait toi. Je sais pas, hein, on va essayer. C'est bizarre, c'est un peu glauque l'ambiance. On va revenir en arrière pour voir ce que je. Ce qu'il y a là-bas que j'ai pas regardé. C'est hyper triste, même la musique elle est un peu triste. Oh, ils ont le même masque que celui de Chihiro. C'est glauque. Ah oui, c'est le dernier, ça y est. Ah mais du coup, il y a vraiment cette zone-là qu'on n'a pas faite, si je crois. Parce que c'était un portail et on l'a pas utilisé. Pas par là, ça donne. C'est triste, il y a absolument. C'est quoi? Quoi? Ça dépend. Oh, mais il y a des zones que tu seras peut-être obligé d'aller réexplorer. Quoi. Ah. Ah, mais il y a un truc au-dessus. Est-ce que par hasard je dois mettre. C'est ça. Tu relis les mots entre eux. Ah non, ou alors. Hein? Ah. Cherchez vos corps. Ouais, je comprends. Je pense que c'est relier les mots entre eux en fait. Ouais, le sens possible. Des mots entre eux. Ah non, non. Merde, je peux parler à quelqu'un. Enfin, parler. Parler est un grand mot, je pense. Ah, oh, t'es revenu au début là. En plus. Ah non, même pas. Elle veut pas dessiner ou quelque chose comme ça, non? Juste faire un dessin. Ok. Y a une que j'ai pas vue. Hein. Elle est en bas là. C'est triste cette zone. Elle est malaisante. Ouais, j'aime pas. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah, clé. Ah, bah je pense que j'aurais pu comprendre avec. Des clés. Ouais, je pense que le truc c'est un traducteur. Ouais, c'est ça, ça doit être un traducteur, je pense.
pas. En fait, il s'imagine en train de jouer. Ouais, c'est ça. Il s'imagine juste en train. Ah! Oui, bah c'est ça en fait. Il doit tourner. Oh. Il y a un toit quelque part. Ici. Tu peux tourner le deuxième, enfin celui du milieu. Voilà, le deuxième cercle. Ouais. Ah. Non. Non. Ah. Ah. Toi, toi. Et ça, ça voudrait dire haut. Ça, ça pourrait être port du coup. Le symbole, c'est... celui-là ? Non, c'est celui-là. Ça, ce serait porte. Ah là là, c'est même pas la zone des geeks. Yeah, le laser game. Je viens de voir le message hypnotiste. Et apparemment, il y a quelqu'un qui a été bête. Ouais. Mort, mort. Ça, ce serait haut, je pense. Par toi, aider. Ah, c'est peut-être aider. Mais il y a un autre toit sur ce... Ouais, c'est ça, mais je pense que c'est pas... Ça... Et tu peux tourner le cercle, là, du celui-là, oui, là. Bah celui... oui. Je peux pas. Je peux pas tourner le cercle. Là, je peux pas. Le deuxième, le premier cercle petit là. Le petit, le premier, le tout petit, le tout au petit centre. Cercle. Au centre, je peux pas. Il peut pas sur. Non, mais le premier cercle. Ouais, mais je peux pas, je peux pas, je peux pas, non celui. Mais si, ça peut tourner, je pense. Non, regarde, j'ai. Essaye, mets-toi sur le. Mets-toi sur le là, vas-y, sur le toit au milieu, au centre, là. Ah. Voilà. Remonte sur la barre à côté. Aider. Là, tu peux pas tourner celui-là. Ah, celui-là, je peux. Celui-là, je peux, mais ça... Je te disais de tourner. Oui, mais celui-là, je... Eh si, mets-toi dessus. Ah, putain. Ça, c'est que du... Mais si. Ah, non. Bah, je dois reproduire ce symbole-là, non. Ça je comprends pas ce truc. Essaye de mettre le toit que tu connais en face de l'autre toit que tu connais. Oui, mais c'est ce que je voulais faire. Et alors, ça marche pas ? Ouais. Bah non. Si. Ah, bien. Voilà. Là, c'est ce que j'ai fait. Ils sont pas reliés. Pourquoi ils sont pas reliés? Si, ils sont reliés. C'est là. Ah, bah voilà. Donc là, t'as le symbole du toit, alors, du coup. Ce serait celui-là plutôt que l'autre. C'est bizarre. Bah, au moins, ils sont reliés. Donc, c'est qu'ils ont du sens à un sens commun, je pense. Pas mettre donc c'est un carré, ça me semble beaucoup trop compliqué pour faire vu le truc. Vas-y, on va oui, mais ça, après, hein. On va voir, mais non, mais c'est une supposition. Hein. Je dis pas que c'est pas mettre toi doute au cas où parce que je suis pas sûr que deux toi. Là, va sur la ligne du bas, là. Là, c'est quoi? C'est mort. Ah, effectivement, c'est pas relié au bon truc.
pas possible. Non, non, un truc qui va pas. C'est pas logique. Ou alors faut que tu mettes tous les morts dessus. Ouais, mais ça reste pas logique. Parce que là, il y a deux mots pour le mort. Non, c'est pas logique. Je pense qu'on comprend mal le truc. C'est une possibilité, ça. Qu'est-ce que c'est? Oh. Ça donne des informations, ça. Ah. J'aime pas du tout ça. Ok. C'est haut. Et c'est le dernier chemin. Oui, non, mais quand je dis c'est pas logique, c'est pas logique ce qu'on fait. Bah, nous. Tu vois la clé bizarre, il va falloir la trouver. Ah, il va falloir la trouver, ouais. C'est l'homme. Ça, c'est homme humain, donc ça, c'est. Quoi le symbole? Un trait et un H. Ça. Là, celui-là, ouais. C'est pas le coloré, le dessiné? Là. Attends, mais à chaque fois tu bouges les trucs. Non, c'est pas moi qui ai bougé. Ah, ça se bouge tout seul. Mm-hmm. D'accord. Salutations. Il y a là chaque fois ou pas? Ah. Salutations. Alors le fixe, c'est salutations. Il faut avoir un salutation quelque part. Pour celui salutation par R, bah peut-être celui-là. Ah non, pas salutation et pas. Il y a attendre aussi. Réel. Celui-là, ce serait salutation. Ah non, ça. Ce serait comme ça. Salutation. Celui-là, du coup. On va peut-être attendre d'avoir un peu plus de signification de mots. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Cela. Le pas, il est sûr. Par plus belle. C'est quoi ça? Ça c'est pas. Y a pas ceux qui bougent pas. C'est lesquels? C'est celui-là, celui-là. Non, celui-là il bouge. Ça c'est le pas. Il faudra un autre pas. Et le attendre on ne l'a pas. Je comprends le truc, hein, mais. Peur pluriel. Pluriel, en fait, on n'a pas de. On n'a pas de logique. Enfin, je veux dire, deux mots qui se ressemblent. Là, pour l'instant, on n'a pas peur. Ça, c'est quoi? Exil. Ah, on peut aller par là aussi. Mais non, c'est là qu'on vient. Ça c'est exil. Oui, mais là je crois pas qu'on puisse passer là ici pour le moment. Peut-être après, mais là tout de suite. Ouais. Y a pas de musique, y a rien, c'est vraiment un endroit. Il y avait quoi comme mot? Je pense qu'on a l'idée, mais il faut le faire. Oui, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris. Ouais, c'est ça, si c'est juste qu'on le fait mal, comme tu dis de 10. Le toit. Peut-être quelque part, c'est obligé. Et là, on n'est pas sûr. Alors, est-ce qu'il y a un toit là-dessus? Sûr. Là, par contre, on est sûr.
Celui-là, il est obligé ici. Oh. Voilà, ça c'est aidé. Est-ce qu'il y a un truc où c'est aidé? Ou alors ce serait un verbe? Non, il y a aller passer aussi sur le deuxième cercle. Ouais, c'est pour ça que je me dis peut-être que... Je pense qu'il faut aligner les significations entre elles. Mais... Ouais, je pense aussi. Ça c'est marqué quoi ça? On sait pas, bah non, tu sais tout. Alors, on peut peut-être regarder, est-ce qu'il n'y a pas un autre truc? Celui-là. Bouge-toi. Puis bouger ça. Toi, toi. Bah là, c'est bon, celui-là, c'est le toi. Celui-là, je pense qu'on est sûr. Okay. Et celui-là, du coup, ce serait mort. Espèce de Z, là, ce serait mort. Ouais. Je sais pas si tu peux l'utiliser en même temps, ça serait peut-être plus facile. Ouais, je pense aussi que ce serait plus facile à la souris. Mais si, je peux totalement l'utiliser en même temps que la manette. Allez, celui-là, on peut encore le bouger. Vas-y. Faudra. Bah t'as aller, y a pas un deuxième aller quelque part? Ou un autre haut? Or, et... Alors bonjour, quoi, ou aller passer? Ah y a un aller ici. Ces deux-là on est sûr. Là on est sûr de... Non mais c'est le deuxième cercle du coup qu'il faut bouger. Oui mais juste... Du coup ça ce serait... L'autre, le la sorte là de... Au-dessus de haut là. Non, en bas. Là, voilà. Là, t'as haut et il y a juste à côté, c'est quoi? Allez. Et là, haut, c'est aller. Donc ça, il faut que tu te bouges et que tu mettes ça sur aller. Le aller, il est où? Il est en haut. Oui, mais non, je parle du deuxième aller. C'est celui-là. Mais il on est peut là, pas... à côté de haut. Oui, mais en bas. Si oui, on là. Si on le déplace, le souci, c'est que ça bouge tout là. Non, ça bouge pas tout, hein. Ça bouge que le cercle du milieu. Enfin, que sur le... Vas-y, essaye de bouger celui-là. Ah. Non, celui hein à côté de haut, là. Ouais, là, celui-là. Ah, ça résout le truc carrément. Tu vois? Je le savais. Une fois que tu trouves toutes les significations, c'est bon. Ah, ça fonctionne comme ça, celui-là. Ok. Ça fonctionne comme ça. Bon, bah, c'est pas la même mécanique, mais ok. Du coup, à chaque fois qu'on a croisé... Les mécaniques sont souvent différentes, hein. Non, les autres c'était souvent un dessin hein, qui allait avec. Bon, ok. Après, du coup, maintenant c'est comme ça parce qu'on a quasiment. Il n'y a pas d'interaction. Tous les mots, tu les as validés en fait, quasiment. On n'a pas d'interaction. C'est... Enfin, t'as validé tous les langages sauf celui-ci. Du coup. Salutations, pas pluriel, attends. Par salutations. Salutation, c'est sûr, il doit aller là-dessus. Obligé, celui-là ne peut plus bouger. Attendre. Pas. Celui-là ne peut plus bouger non plus. Celui-là, ce serait salutation. L'autre pluriel, il est où? À part en deuxième. On a dit que celui-là, on peut plus le bouger. Le cercle de l'extérieur, on peut plus le bouger. Non, là, il reste que le deuxième cercle à bouger. Ouais. Ah non, c'est bon, parfait. C'est original, mais pourquoi pas? Bah ouais. En vrai, c'est original, mais ça correspond au fait que les... Bah, personne ne parle, en fait.
Il y a vraiment plus personne qui parle, donc forcément, il faut passer par une autre méthode pour pouvoir parler. Pour pouvoir apprendre le langage, surtout. Mmh. Mais c'est horriblement triste, par contre. Il faut retrouver les premières boîtes. Non, celle-ci, on l'a validée. Ouais, celle-ci. Ouais, j'ai entendu. Pas voleur. Ouais, il fallait que tu testes, hein. Ah, là, il y en a une. Okay. J'aime bien cette méthode de faire, en vrai, même si c'est un peu perturbant. En fait, une fois que t'as relié toutes les bonnes significations entre elles, les autres mots se viennent. C'est vrai? En fait. C'est un peu genre sniper. Ah, moi, ça, je trouve que ça fait peur, moi. Enfin, c'est tiens, plus, homme humain, ça on le sait, on connaît le symbole déjà. Ah oui, moi je cherche l'eau. Le homme humain, là c'est celui de. Ah bah oui, attends. Le L là. Ah. Voilà. Celui-là. Non. Attends. C'est homme et. Moi, et du coup, je moi, et ça c'est L, moi. Là. Ça c'est moi. Oh, ça elle... veut dire que je peux pas faire les significations, je peux pas faire. De toute façon, j'écris, mais ça sert à rien. Hein. Mais non. Ça c'est la clé. Chercher, vouloir. Ah, ça c'est pas juste, pas. Ah, clé, elle est là. Ça, on peut pas bouger. Ça, par contre. Si, tu peux bouger le deux, non, c'est le bon. Du milieu. Voilà, c'est bon. Ah oui. Ah bah super. T'as fait quoi, tu as dit, mon père? Ah. En vrai, c'est plus rapide comme ça. Borne, je pense. Ouais, il doit y, il doit y avoir encore une, enfin plusieurs bornes même, je pense. Oui, oui, c'est sûr. Je crois qu'on en avait croisé que 3, hein, des bornes. On va regarder, mais je pense qu'on en a croisé que 3. De toute façon, il faut se balader. Hein. Là, il y a des symboles. Quoi. Ah non, on venait de là. On va aller tout droit. On va voir. Mais c'est une ambiance pas agréable. Ouais, mais j'ai pas le son, moi. Il y a pas de son, de toute façon. Tu loupes rien. Il y a vraiment pas de son. Il y a pas de bruit. On était monté ou pas? Il y a pas de bruit. Il y a pas de son. C'est silencieux. Ah ouais, il y a pas de son. Effectivement. Ça, je sais plus si on l'arrive. Ça, on y est allé. Si, on est passé par là déjà. Silence. Ouais, c'est. On va descendre. Ah, ici, on l'a fait. Ah, bah, du coup, ça, on peut le faire, je pense. Et. Rire. Si, on l'a trouvé. Rire. Les portes. Si, je crois qu'on l'avait ouvrir. Là. La porte encore? Ah si. Ah. Ouais. Personne qui se balade. Oh. Oh. Bonjour, celui que j'attendais. Oh. Ok. Il aurait dit la même chose. Ah, pour composer le symbole. Ah, ok. Allez, du coup, le premier c'est aller, je pense. Non, ça c'est là. Là non. Là. Non, ça va pas. C'est celui-là, ouais. Pour monter. Voilà. Oh! Venir, j'ai porte.
Oh, j'aime bien cette méthode de faire. Ouais, mais du coup, là, faut faire mort. Ah, bah là, mort. Euh... ah, ok. Pas mort. Pas. Et what? Elle est pas mort. Elle est pas mourir. Non, revivre, peut-être. Pas changer. Je comprends pas. Je vais trop. Là, je comprends. Ça, on est d'accord que c'est mourir. Ah, pas. Peut-être que je dois en mettre deux. Ouais. Ah, peut-être ça. Mourir, pas mourir, je sais pas. Oui, c'est ça. C'est mourir, mort. Et là, du coup, je dois faire pas mort. Allez mourir peut-être. Allez mourir. Là c'est pas aller. Et là ce serait pas mort. Ah non. Si, vas-y, fais le dernier truc. Bah j'ai mis le dernier symbole. Mets le dernier symbole. Ah. Mourir. Arrêter, ressusciter. Ah. Oh. Alors, il faut vraiment utiliser tous les symboles. Tous les symboles, quoi. Ouais. Alors, du coup, là, c'est pluriel. Pluriel, moi, moi, peuple, peuple, chercher, pas. Donc, bah, les peuples. C'est sûr. Bah, t'as pas cherché, là, quand ils rejettent. Ouais. Pluriel, ah, moi. Le pluriel de moi, donc ce serait nous. Ouais, donc moi au pluriel. Hop. Va chercher. Ouais. Et mon peuple. Ouais, c'est ça. Ah, j'aime bien. J'aime bien cette partie-là en vrai. Ça change, ça fait du bien. Et j'ai tous les symboles. What? Je crois que oui, t'as tout validé. Comment retourner à l'école primaire pour apprendre à écrire? La langue des reclus. Non. Ah bah oui, là... Non, tu t'es trompé du coup, c'est la langue des reclus. Oui, j'ai dit la langue des reclus. Oui, non, mais je disais à Gamel parce qu'il avait dit que c'était la langue des présentateurs, je crois. Oui, c'est un ocrate mal traduit, ouais. C'est reclus. Ah, peuple, tu prends pas le A? Non, c'est juste pour voir ce qu'il dit. Mon peuple construisit la tour. Okay. Oh. Des peuples étrangers vinrent à la tour. Ah. Oh. Les peuples arrêtèrent de parler, les peuples eurent peur des peuples. Mon peuple parti dans l'exil, nous sommes mourants et mourantes. Eh ben. Je t'ai créé. Hein? Tu es la clé, aide-nous. Fais que les peuples se parlent, ouvre les portes, stop l'exil, ressuscite la tour. Ah! D'où la clé là, c'est ça? Ouais. On va trouver la clé.
Ah oui, on vient de la trouver. Du coup, je dois aller rouvrir la tour. Ah bah tiens, ça me rappelle un truc, ça. Un truc de téléportation. Faut que tu ouvrir toutes les portes, en fait. C'est pour ça qu'il y a des trucs de téléportation partout. C'est pour ouvrir les portes. Par contre, je sais plus où ça se trouve, moi. À part la dernière... Honnêtement, je sais plus où c'est. J'ai aucune... C'est par là ? Je sais pas si... Oui. Si, c'est ça. Mais il faut peut-être que tu ouvres d'abord toutes les autres portes avant d'ouvrir celle-ci, peut-être. Oh ! Est-ce qu'il a... Pas si tu la tour pas aime nous c'est que les parlent faut c'est ça faut d'abord que tu ouvres toutes les portes avant d'ouvrir celle-ci. Ok, si ça prend trop de temps par contre on fera ça la prochaine fois. Non ouais. Je pense que ça va pas prendre trop de temps, je sais pas. Faut que tu redescends tourner... dans toutes les zones et faut que tu ouvres toutes les portes. Ah ouais, mais ça va me prendre facilement une quart d'heure. Non, faut que tu retournes tout en bas avec ouais. Les téléportations. Ah ouais, mais trouver les téléporteurs... Ouais, c'est pas si compliqué. Je pense que si, hein, je me rappelle pas peur, moi. Pardon. Peur. Ah, je me rappelle pas peur. Je sais même plus où ça. J'en cherche un au moins pour tester. Mais après dimanche ça prend une demi-heure. Ah ouais, mais là ici j'ai pas trouvé. Ouais non, je pense qu'on va dire ça. J'ai trouvé la sortie mais toutes les j'ai pas vu de clé comme ça. Ou alors il faut que je téléporte ça à côté du truc. Ah, attendez. Va tout au bout là-bas. Ouais. Ah, en fait, ça fait un bip. Les livres. Ah non, il faut peut-être que je compte le nombre de livres. Bah, il y a 6 langues, je crois. 3, 4, 6. Les 6 livres. Et... Ouais non, ça prendra trop de temps. On va faire celui-là pour voir si je me trompe pas. Mais... aux langues peut-être. Peuple. Les non, ça peuples. Doit être livre. Ah oui, livre, oui. 06 au pire. 6 et... C'est en bas le sort de H. Ah, c'est ça. Non. Ah, ça. Tout en bas. Oui, oui, je l'ai. Ah, ah 42 peut-être. 4-2. Merde. Ah oui, 4-2 livres, ouais. C'est pas ça.
Ouais, non, on fera ça la prochaine fois. Parce que s'il y a une énigme à chaque fois, à chaque truc, ça va être un peu compliqué. Enfin, ça va prendre du temps, quoi. Ouais. Ah, sauvegarder, c'est vrai qu'il logiquement. Il est 19h, là. Je pense. Après, dernière sauvegarde, ouais, il y a 2 minutes. Il y a 2 minutes. Ouais, c'est bon. Bah, en vrai, on arrive à la fin. Je pensais pas que j'arriverais à la fin aussi vite, par contre. Hum. Ah, la lumière, tu l'as. Ouais, ça veut dire que j'ai encore fini un jeu. J'ai fini Little Kitty. En l'espace de 3 semaines, j'ai fini Subnautica, Little Kitty, Grounded. Et là, je vais finir Chance of Senar. Ça fait quoi dans chez nous ? C'est bizarre. Oui, il y a encore de quoi faire un stream. Ouais, c'est ça, c'est ce que je... Et je voulais au moins voir le truc, mais du coup, c'est bien ça. Il faut retrouver chaque zone où il y a... Fouiller dans chaque zone où il y a une clé. Et après, chaque zone, la déverrouiller, faire l'énigme, et puis seulement sortir. D'où le fait qu'il y ait plusieurs fins possibles. Il y a la fin où tu te casses directement, les autres restent dans le silence. Et il y a le fait aussi de libérer tout le monde. Ouais. Pour redonner la vie à la tour. 9h30 ce jeu selon How Long. Je sais pas combien j'ai fait moi de. J'ai fait 10h. 10,8h. Ouais, parce que t'as pris ton temps. Oui, c'est ça, parce que j'ai pris ton temps, donc j'aurai 12h à peu près. Bah, finaliseur, je suis dans pour ceux qui finalisent, c'est 10h. Donc, en vrai, ça va, hein. Bon, bah, on a bien avancé. Donc c'est déjà pas mal, oui, c'est ça. Mais moi, je prends toujours mon temps, sachant qu'en plus, on réfléchit, que j'ai galéré aussi. Pas mis plus, t'inquiète. Non, j'ai pas mis plus. Bon, bah voilà, ce fut un bon stream. Oui. Je vous fais des bisous, moi je vais retourner dans le chat. Oui, des bisous, Lolite. Ah oui, tu vas bientôt faire à manger aussi, non pour, Ouf, c'est les vacances, hein, je suis pas pressée. Attends 2 secondes. Quoi ? Ah. Hein ? Le chat, c'est juste là où j'écris chat. Avec les autres. Si m'entends dire, c'est quoi le chat ? Oui, oui, voilà. Logique. Et bah, bon, des bisous, merci ouais, pour ton aide. Bah, avec plaisir, des bisous. Désolée, je me suis un peu énervée pour le coup des poils. Là, pour moi, ça me semblait t'inquiète tellement pas. Évident. Bah oui, mais parce que t'avais compris, comme moi, ça me semble évident certains trucs. C'est pour ça que j'ai dit, tu peux venir m'aider. Comme ça, bah, il m'explique en autrement. En fait, t'avais tout compris, c'est juste que t'arrivais pas à faire les liens entre les trucs. Bah, c'est ça, pour moi, c'est ça. Tandis que quand Gamel m'a expliqué, j'étais, ah oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Ouais. Mais parce qu'il te fallait te faire un dessin et là, j'arrivais pas à te le faire en fait. Pas grave. Non. Bon allez, je retourne dans le chat avec les autres. Des bisous. Des bisous. Ciao. Et voilà. Hop. Oh, l'alien arrive à grands pas. Et relouli. Déjà la semaine prochaine, ça confirme que je pourrais ne pas faire de stream sans que ça coupe tout parce que là tous les jeux sont terminés. Tous les jeux que j'ai en cours vont être terminés. Je connais bien ma sœur, je suis contente. Mm. Comme tous les jeux que j'ai en cours sont terminés, je pourrais sans problème faire une pause d'une semaine pour les streams. Histoire de vraiment déconnecter. Mais toi, tu finis bientôt Camille en plus. Hein ? Donc, demain. En vrai, si tu finis Okami, toi aussi t'auras fini tes jeux, un premier jeu. Ouais, Tu vas commencer de nouveaux jeux. Oui, je vais commencer de nouveaux jeux. Mais il faut que je réfléchisse parce que c'est vrai que je m'attendais pas à finir tous ces jeux-là aussi vite. Moi, demain. Ah, ouais. C'est pas grave. Mais je trouverai, hein, déjà, il y a des jeux qui vont sortir en septembre-octobre, mais...
Génère de la rage et déclare la rage. Je t'avais dit que tu pouvais aimer celle-là. Je t'avais dit que celle-là tu pouvais aimer aussi. Voleur, je savais pas trop. Vraiment, chasseur, voleur. Tu pourrais, voleur, mais. Voleur, c'est bien, mais faut vraiment. En fait, faut que tu. Regarde. Oui, ensuite, voilà, c'est ça. Tu gères aussi tes. Mm-hmm. Alors c'est mignon, ma fenêtre. Mm-hmm, c'est ça. Cool. T'as le choix avec mes jeux aussi. Oui, c'est vrai, j'ai aussi le choix avec tes jeux. Maintenant, en vrai, avec le Game Pass, mais je sais pas si je vais. Si je vais reprendre le Game Pass tout de suite. Oui, c'est vrai, tu voulais faire aussi Baldur's Gate. Ouais, mais je voulais faire avec toi, mais aussi, ouais. Mais non, tu peux faire. Je sais plus, il y avait une autre méthode de ce que. Ah, Baldur. On verra, on a le temps d'ici là. Bon, bah du coup, je regardais pour vos raids, mais comme d'hab, à cette heure-ci, il n'y a personne à raid, donc c'est pas grave. Nous, on se retrouve dimanche. Et dimanche, bah on finira Chants of Senar, vu que franchement, il reste pas grand-chose. Ça me ferait un peu chier de partir en vacances sans le finir pour revenir dessus dans une semaine. Vas-y, je le termine. Et après, on fera autre chose, soit un react, soit on continuera un petit peu. Soit react, soit on continuera un petit peu le jeu qu'on a commencé et que j'ai déjà oublié. Le jeu qu'on a commencé avec Gamel. On a dit qu'on pouvait le continuer. On verra bien. Et puis si jamais vous passez pas dimanche, ou s'il y en a qui passent pas dimanche, ce sera rendez-vous dans une semaine? Une semaine et demie? Bon, en fait, ce sera rendez-vous le 5 août. On reprendra les streams le 5 août. Et on appliquera le nouvel horaire. Donc là, il faut qu'on regarde avec Gamel, mais ce sera aux alentours du 5 août. Allez, sur ce, je vais vous faire des bisous. Merci pour ce stream, c'était cool, on a presque fini un jeu, et ce que je ferai, c'est que je vais mettre aussi toutes les rediffs, oui, Super Seducer, merci, toutes les rediffs, je vais les mettre sur la chaîne YouTube, parce que, on a quand même fini pas mal de jeux, j'aimerais bien les garder, ces rediffs, et puis voilà, je vous fais des bisous, bonne fin, bon week-end, parce que vous êtes en week-end, et on se retrouve soit dimanche, soit le 5 août, ou alors sur les lives de Gamel, samedi, et après on est. Et bisous, bonne soirée, et bon appétit aussi, parce qu'il est l'heure. Et bisous!